Les enregistrer tout de suite, voilà, la rediffusion est lancée. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, enchanté et bonne année 2022. Évidemment, bientôt le mois d'avril. Yo YouTube, vous êtes gentil hein, dans le chat, merci de toujours jouer le jeu tous les soirs à chaque fois qu'on lance une rediff. Vous êtes toujours présent pour dire bonjour à YouTube. Vous n'êtes pas obligé, hein, personne ne vous oblige à le faire, mais à chaque fois vous le faites, vous êtes des bons joueurs. Je vous en remercie à chaque fois, j'espère que tu vas bien YouTube. Aujourd'hui on va jouer à Ori. Ori qui est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, qui m'a été proposé plus d'une fois, très souvent par Maryse, la modératrice évidemment, qui nous rejoindra dans un petit peu plus tard durant le courant de la soirée. Et je suis toujours passé à côté de ce jeu parce que le peu que je voyais du jeu, des images de platformer 2D, ça a toujours été le genre de jeu qui m'attire pas plus que ça, hein, tu vois. Et donc je me suis laissé entraîner par toutes les bonnes critiques autour du jeu qui l'a en sens, et peut-être que je vais me rendre compte que c'est bien, et peut-être que je vais me dire qu'en fait, ben non, c'est quand même pas fait pour moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, ça sera une découverte ce soir, à moins que ce soit une tuerie qu'on part sur un let's play, mais ça m'étonnerait grandement. On part sur une découverte ce soir, et de je sais pas combien d'heures, 2 heures hein, ou 3 heures, je sais pas. Et voilà, et donc tout ça est enregistré, rediffusé, de la veille jusqu'au lendemain sur YouTube. YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous. Maintenant, je vais rester en compagnie de mes meilleurs, si je puis dire, les gens qui me regardent en direct sur le Twitch Game. Hop, je me munis de ma manette et je lance le petit jeu. Petit jeu qui était déjà lancé, évidemment. Hop, attention, juste un petit souci de câble, mais tout va bien. Attention, que personne ne panique. Tout se passe, tout se déroule. Au niveau du son, va falloir peut-être que je l'augmente un petit peu, je pense. Alors évidemment, j'ai fait une erreur, et je m'excuse. Quand je vous ai fait le playing de la semaine, je me suis trompé dans l'image. C'est une affiche de l'Opus 2, et je pensais pas, mais vu que je connaissais pas, en fait, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Non, on va bien jouer à l'Opus 1 ce soir, hein, d'accord. On va bien commencer par le commencement. Commencer une partie en placement vide, let's go. Maryse m'a envoyé un message dans la journée, elle m'a conseillé de me mettre en difficulté normale, donc je vais lui faire confiance, comme d'habitude. Et nous sommes partis. Je vous souhaite une bonne découverte en ma compagnie, si c'est votre découverte. Et sinon, si vous connaissez déjà le jeu, ben, bonne redécouverte. Nous n'oublierons jamais la nuit. Il y avait écrit sur l'écran « Ou dans la tempête, je perdis Ori. » Ori, le nom du jeu. J'imagine aussi le nom du personnage principal. Alors, on m'a prévenu que le jeu était magnifique, mais tu vois, j'ai toujours tendance à prendre ça avec des pincettes, surtout quand c'est un... C'est un jeu en 2D, tu vois, le côté platformer 2D va un peu m'enlever de ma capacité à juger un jeu comme étant visuellement magnifique. Mais peut-être que j'ai complètement tort encore une fois et je vais le découvrir ce soir. Donc le jeu, on le fait tourner, on en profite, hein, en 60 FPS avec la Xbox à côté qui envoie l'image sur l'ordi. Merci à un ou deux fantômes qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie. Je ne peux que te souhaiter la bienvenue. J'espère que tu vas bien et que mon petit stream de ce soir te plaira. Hein. Mets-toi à l'aise, installe-toi. Donc je contrôle ce personnage, je vais sauter. Non, je ne peux pas. Je peux sauter par contre, évidemment. Message de spoil, me demande Muscool. Je n'ai pas prévu, non, de message de spoil. Du coup, je vais m'adresser à celles et ceux dans le chat qui connaissent le jeu. Me conseillez-vous de demander... Enfin, est-ce que le jeu est spoilable? Ou alors, est-ce que c'est juste une aventure classique? Ou vraiment, il y a des trucs dans l'histoire où tu te dis, ouais, ça, il faudrait pas qu'il se fasse spoiler, le pauvre, un truc comme ça, ou alors pas du tout. A vous de me dire, oh, il est mignon. Merci, il y a 5 pour les 23 mois de resub. Ou Naru, prima lumière, en son sein. Naru, c'est le personnage, le grand personnage qu'on contrôle, là. Alors, du coup, pas vraiment spoilable, mais à la fois, on me dit, oui, c'est spoilable. Comme un enfant qui était sien. Plus que le spoil, il faut surtout éviter le backseat. Beaucoup de spoil, mais le message, c'est spoilable. Mais le message, c'est mieux. Allez, je vous fais confiance, le chat. Dans ce cas, on va mettre le message. Le beau message que m'avait d'ailleurs fait Maryse, hein, on se rappelle. Hein, qui se calait parfaitement bien. Avec la petite... avec la rondeur de la caméra. C'est très très stylé. Encore une fois, Maryse, hein, je sais pas si tu passes par là. Mais merci encore, hein, tu m'as fait quelque chose de très très propre. Hein. Alors, et il va un petit peu plus vite que le personnage qu'on contrôlait tout à l'heure. Donc le petit Ori, si tu dis pas de bêtises, j'essaie de tester un petit peu tout. Je peux que sauter, je peux pas m'accroupir. Ok, on peut que sauter et se déplacer. Le jeu a commencé depuis longtemps. Ouais, ça fait un bon moment là qu'on a commencé à jouer. Ça fait à peu près 2 minutes 41. Bonjour.
Et tu me portes. Oh, il a trouvé une Dragon Ball. Et il l'a mangée. Oh, il n'y a qu'un seul fruit par arbre. Et à chaque arbre, tu... Hein? Tu veux peut-être tester cet arbre-là, non? Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui arrivent entre temps, hein. J'ai déjà commencé le live. Hein. Peut-être que vous vous êtes fait avoir comme moi sur le changement d'horaire, hein. Vous pensiez que le live commençait à dans une heure. Ouh, mais il y a beaucoup plus de Dragon Ball dans ces arbres-là du coup. Bien propre. Il crée un pont. Il crée un pont trop fort. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps de Amixem qui essayait de créer une cabane entre deux arbres, ça m'avait fait marrer. Voilà, oh, voilà, mais vous allez faire... vous allez voir la diarrhée, les gars, je suis désolé, vous allez faire une indigestion, là. C'est beaucoup trop. Ah, attends. Toi, ton attention a été attirée par un éclair de lumière. En cette si terrible nuit, donc il va bien se passer quelque chose. Hein. Je vais te séparer du copain. Où mes flammes embrasèrent le ciel. Et hop. Et hop. Et hop. Où j'appelais Ori de plus belle. Hop. Hop, cinématique. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Où tu as l'air inquiet? Des choses qui se passent dans le ciel. Hein. Oh, il a un attrape-rêve au-dessus de son lit. Il y a des gens qui ont des attrape-rêves chez eux. Personne ne me répondit. Ah, et c'est moi qui repars. Ouais. Ah, vous êtes beaucoup à en avoir. Ah, vous êtes vraiment beaucoup à dire oui pour le coup. Oh, ça mérite un sondage. Moon, tu veux bien nous faire un petit sondage sur les attrape-rêves, voir si on... J'aimerais bien avoir le pourcentage des gens. Je suis très curieux. Où qu'il soit, hein. Même si c'est pas au-dessus du lit, c'est juste... Est-ce que vous en avez un quelque part accroché? Les mois qui s'égrènent... Putain, j'ai pas réussi à lire le dernier mot. Je l'ai fixé, j'ai bugué. J'ai pas réussi à le lire. La vie s'étiola, ce fana. Allez, le sondage est parti, hein, si vous voulez répondre. À vous des attrape-rêves. Des ou un. Un seul, ça compte aussi. Hein. Dans l'ombre aveugle de la forêt. Il m'a l'air bien mystérieux. Il rentre dans un arbre, attention. Moi j'ai connu un animé où quand un personnage rentrait dans l'arbre et tombait dans l'eau qu'il y avait dans l'arbre, ça annonçait pas du bon ça. Si vous arrachez tous les fruits, va plus en avoir après. Une lueur d'espoir scintilla. Alors attention, je m'arrête deux secondes parce que... Pourcentage est lancé et vous c'est un non en majorité à 57%. Ce qui fait quand même plus de 40% des gens qui ont voté qui ont des attrape-rêves. Je pensais pas que cette part allait être aussi grande. C'est un souvenir? C'est un souvenir. Ouais, je pensais vraiment pas autant. Moi j'en avais eu un il y a... Quand j'avais une quinzaine d'années, c'était une amie qui me l'avait offert. Je sais d'ailleurs pas où est-ce qu'il a fini. Oh, une araignée. Et il était joli, il était vert, vert fluo. Il avait du beau fil vert. Mais je l'avais juste mis en objet de déco, j'y croyais pas plus que ça, au concept. Et vu que j'y croyais pas, bah, je sais pas où est-ce qu'il a fini d'ailleurs, j'ai dû le perdre. Ou il doit être dans un carton. Et je n'en ai jamais remis. Aïe. Que se passe-t-il?
Mais... Bah, il fait juste un... Il fait juste un gros dodo. Oh oh. Et comment c'est arrivé? Comment est-ce possible? Il avait trop trop faim, ils ont tout mangé. C'est ce que je disais, il n'y avait plus rien. Une âme à nouveau orpheline. Oh le pauvre, la pauvre petite créature. Sans raison de rester ici-bas. Putain, j'ai bizarre, j'ai un truc dans l'œil. Ah, trop bizarre. Ma lumière, Ori rechercha. Si frêle, pâle, presque infime. Allez, vas-y. Ouf, c'est difficile pour toi. Le silence répondait aux pleurs. On a eu de la chance de pas trop s'attacher non plus à l'autre personnage pour pas que ce soit trop violent non plus. Attention au rond, ça pique. L'espoir avait quitté son cœur. Il me fait par contre de la peine un peu le personnage là. Aïe. Aïe, la douleur. Et lorsque faiblit mon enfant... Dernier soupir se perdit au vent. T'as vu, il a une espèce d'aura autour de lui. Ah oui, il a surtout un truc qui pousse dans sa main, une fleur. Des fleurs un peu partout. Je préchote l'écran titre du jeu qui apparaît dans le ciel. Mauvais pré-shot. Ma lumière raviva Ori et la vie renaquit. Ouh, ça sent le gameplay là. Partie sauvegardée. Ça sent le gameplay vu la caméra qui a reculé. Ouh, qui va vite. Ouh, qui va vite le garçon. Oh oui, il est en pleine forme là. On n'a pas eu l'impression qu'il venait de mourir. Alors maintenez A pour sauter plus haut. Attends, tu as dit... Non, tu as dit... Ah, pardon. Maintiens A pour sauter plus haut. Très bien. Raté. Et là... Wow, ok. Tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Donc ma barre ronde là en bas de l'écran s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de récompense plus rapidement. Ok. Maintiens... C'est quoi ça? C'est le joystick? Et A pour descendre en sautant. Dac. Tac, tac, tac. Attention. Oh, je m'excuse, pardon. J'avais pas compris que c'était ce que je voyais. Eh oui. Va falloir aller chercher des... Oh! Il peut faire un... Comme Mario. T'appuies sur Z et puis A et... Ah non, merde, attends. Je t'ai mal montré. Il peut faire comme ça, là. Un saut. Comment je l'ai fait? Comment je l'ai fait ce saut périlleux là? Comme ça. C'est pas mal ça. Y a pas de... Je sais pas s'il y a des dégâts de chute dans ce jeu. Vous avez remarqué que je suis parti à gauche. Hein, sans pour autant savoir exactement si c'était là qu'il fallait que j'aille. En tout cas là je pourrais plus remonter. L'eau est violette. Je sens bien arriver le fait que... Oh attends. Pas double saut, je peux pas attaquer.
Tu le vois ce qui pend là-haut. Beaucoup trop pour moi, je ne peux pas. Attention. On a tendance à croire que c'est peut-être des bonus, mais peut-être pas en fait. Et oui, si en fait c'est des bonus. J'ai... Mince, un éclair de vitalité, j'appuie sur A trop vite. J'imagine que c'est ce qui me permet de regagner la vie que j'ai perdue en touchant les ronces. Et ça, ça sera une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Appuie longuement sur B pour créer un lien d'âme et sauvegarder la partie. Oh, attends, quoi? Il y a un gameplay qui fait que t'es obligé de trouver certains objets pour pouvoir sauvegarder? Oh, 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 qu'il est moche. J'ai pas eu le temps de plus sauter que ça. Y a pas de sauvegarde automatique. Oh. Et y a pas de sauvegarde manuelle non plus. Oh, prouesse. Oh, oh, oh. Oh, ça spoil. Oh, ça spoil de ouf, mais c'est intéressant. Au moins, je sais qu'on va débloquer plein de facultés, en fait. Tout en sachant que je suis parti à gauche, encore une fois. Au cœur de la forêt, Ori trouva ce qui a été perdu. Lien d'âme est prêt. Oui, bon, du coup... Ah, crée un lien d'âme et appuie sur B. Attends. Appuie sur B pour ouvrir les compétences. Expérience. Cette barre représente la quantité de lumière spirituelle récupérée par Ori. Absorbe-en 45 de plus pour obtenir un autre point de compétence. Il nécessite 1-1. Et après, E nécessite... D'accord, ok. Un arbre de compétences à 3 branches, du coup. Et chaque fois que je veux débloquer le pouvoir suivant, il me faut le pouvoir précédent. On va lire les pouvoirs un par un. Merci beaucoup, Devosionx. Il est dur à lire son pseudo, là. Qui a seulement Prime pour la première fois de sa vie. Merci à toi et bienvenue. J'espère que le stream te plaira. Merci à Livio Junior qui a resub pour ses 5 mois. Et merci à Ilia 5 pour les 23 mois de resub. Merci beaucoup. Alors, la braise permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. Aimant spirituel, la plupart des objets à récupérer flottent vers Ori. Salve de flammes permet de lancer 3 flammes avant de pouvoir recharger. J'aimerais bien essayer ça. Alors. Et alors? J'imagine que j'ai pas assez de force. De pouvoir appuyer sur X pour récupérer la petite lumière. Oups. Oh, quel boomer, j'ai regardé ma manette pour être sûr où était X. Tellement j'ai pas l'habitude de jouer avec la avec une manette de Xbox. En même temps, ils ont fait aucun effort, Xbox, PlayStation, Nintendo, pour dire où était le X. Nintendo, il a mis en haut. Microsoft, ils l'ont mis à gauche. Et PlayStation, ils l'ont mis en bas. Tu m'étonnes qu'on s'y perde si facilement. Mes forces me reviennent. Je suis Sane, la lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien. Mais est-ce que tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Appuie sur X plusieurs reprises pour utiliser les flammes spirituelles. Ah ouais? Et si j'avais pris un autre pouvoir, et ce serait passé quoi? Tu me dis? Oh putain. Attends, X on a dit. Oh, oh oui, d'accord. Oh. Tu as trouvé de la lumière spirituelle, rempli la jauge pour obtenir un point de compétence, évidemment. Et ça c'est appuyer sur B pour ouvrir. Ah, il n'y a que ici qu'on a accès aux compétences quand il y a des petites flammes bleues. Attention. Ah, ah oui, il y a... Il y a comment on dit? Il faut vraiment que je sois proche de lui. Il y a comme une espèce de zone de dégâts à chaque fois qu'il saute, j'ai l'impression. Eh, ça commence le jeu. Il me fait pas trop de cadeaux non plus. Ouh, j'ai récupéré pas mal de lumière. Leurs lumières me reviendront, cela l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. Oh, l'écran de chargement qui a tout niqué. Le boss qui est creux. Mais attends, j'avais pas fait la suite de l'histoire, je voulais retourner à droite. Qu'est-ce que je dois faire? Y aller. Nouvel objectif, trouver l'arbre aux esprits. Alors, c'est-à-dire... Appuie sur... pour consulter la carte. M'en voulez pas, je regarde la manette. Parce que là aussi, je confonds le bouton Start et le bouton Select.
Ouais. Voilà, on n'est pas allé à gauche. Ah là, il y a un autre chemin. Et nous, là où on est arrivé, on n'est pas allé à droite non plus. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose comme ça maintenant? Oui. Ça y est, c'est possible. En fait, j'ai pris ce pouvoir juste pour ça. Juste pour pouvoir casser les trucs qui flottent. Parce que je savais que ça pourrait m'être utile. Il n'y a pas des petits passages secrets des fois? Mince. Attends 2 secondes. Il faut que j'apprenne à monter. C'est bon. Je peux... Oui. Très bien. Je vais farmer le jeu. Je vais tout niquer à chaque fois. Je vais tout casser. Tout ce qui existe de cassable. Ça, c'est quoi déjà? Ah oui, de la vie, c'est vrai. Donc l'eau. Ça fait très... Pardon. Ouf, heureusement que ça retombe, qu'il y a de la gravité. Ça fait très Metroid. Comme jeu, je trouve. Alors attention. Il est apparu en rouge. Il a une aura rouge, ça veut dire qu'il me détecte, mais qu'à la fois, moi, je peux lui tirer dessus, j'en conclus. Est-ce que je peux les diriger? Désolé. Non, j'arrive pas à les toucher. Je vais voir si ça s'est rechargé, l'espèce de boule là. Non, ça s'est pas rechargé. Je voulais voir si je pouvais récupérer de la vie vite fait. Donc il reste un truc que j'ai laissé ici. Hein. Toi, tu me donnes de la vie, non? Oh, très 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 bien. C'est très satisfaisant de tout casser. Hein. Je dois t'admettre. Attends, il reste un petit morceau que j'ai pas vu. Les puits aux esprits sont d'anciennes structures utilisées jadis pour traverser rapidement tout Nibel. La lumière des puits aux esprits te revigore également lorsque la fatigue te gagne. Nice. Tout pété. C'est très très agréable. Oui, effectivement, je comprends quand on me dit que le jeu est beau. À la fois, je m'en rends pas compte, mais je m'en rends compte que c'est visuellement très agréable à regarder. Appuie sur X pour sauvegarder ta partie. Très bien. Très bien. Voilà, petite prière. Hop là. Et on peut pas... On peut grimper, non? Non, tu ne peux pas, évidemment. C'est un Metroidvania, ouais. Ça se sent. Ça se sent bien. Tu as gagné un point de compétence. Alors. Donc ça sauvegarde automatiquement. Ah! Et en fait, l'emplacement où j'ai fait ça reste, devient un endroit fixe dans le temps où je peux sauvegarder. D'accord. Augmente la puissance de ta flamme spirituelle. Ça pourrait être intéressant de se mettre full attaque dès le début et ensuite farmer plus tard. Voilà, les objets tombent vers moi. D'accord, mais si je le prends, je pourrais débloquer quoi? La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Oui. Ouais. Si on fait tout à 100%, on regarde tout partout. Après, ça peut nous permettre de nous voir, de trouver peut-être des passages secrets. Les bonus de vitalité récupérés octroient 2 fois plus. D'accord, donc là, c'est on farme l'attaque. Là, on farme la défense, si je puis dire. Et là, permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. D'accord. La création d'un lien d'âme rétablit un point de vie, d'accord. Réduit de moitié le coût de flamme attisée. Ok. Permet à Ori d'utiliser sprint en air. Oh. Ah, je serais amené à débloquer des pouvoirs de toute manière. Regarde, là aussi, il y a un pouvoir à débloquer. Là aussi, il y a un pouvoir à débloquer. Est-ce que là il y a un pouvoir qui va se débloquer? Ouais, tout à la fin. Et ici, y a-t-il un pouvoir qui va se débloquer? Pas plus que ça. Je vais remettre les flammes, personnellement. Je vais pas demander vos avis. Je vais faire comme je le sens. Mais du coup, j'ai pas pris... Ah, voilà, si. Ah! On peut pas te péter, toi. Faut que j'essaie de me rappeler... Oh, il y a un truc, là. Une pierre mystérieuse. Faut que j'essaie de me rappeler un petit peu, maintenant, tous les endroits où il y avait des trucs pétables. On n'a pas fait beaucoup après dans le jeu. Ouais, je leur fais mal, bien. Je leur fais giga mal, maintenant. Ah, attends. RT, d'accord. Oh, mais il est fort. Il a une belle force. Moi, je te le soulève pas, ça, dans la vraie vie. Bah, faut dire aussi, je soulève pas grand-chose. Une pierre. Tu as trouvé une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de... Les pierres clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. D'accord, je sais juste pas ce qu'est un portail d'esprit. Ah, j'aurais pu aller de l'autre côté. Enfin, en bas. Y a pas le temps d'attaquer le pauvre. On rappelle que la map est ici. On arrive sur une grande zone, on visitera le bas. Plus tard, tiens, une pierre en plus.
Ah bah allez, on va éviter le bas maintenant, j'espère juste pas tomber. Très bien. J'avais peur de tomber sur un pic en fait. Ah bah voilà, ce portail aux esprits nous barre le chemin. Ces structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin. Pour atteindre l'arbre aux esprits, il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Je regarde vite fait à droite. Voilà, ça m'a pas dénoirci la zone qu'il y a à droite, effectivement. On obtiendra, j'imagine, un pouvoir plus tard qui permet d'aller nager sous l'eau. Hein. Donc là, c'est exactement là où on était. Donc la zone, maintenant, elle est lumineuse partout. Ah, je m'attendais pas à ce que le jeu soit un Metroidvania, je te l'avoue. Hein. Hop, hop, on a trouvé les dots de pierre, tu peux t'ouvrir maintenant. Peut-être que je dois le tirer moi-même. Tout va bien le chat? Ça va vous? Moi ça va très bien. Je prends du plaisir à jouer. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est que le plaisir est arrivé très vite. Oh! Grotte mystique, c'est ce qu'il m'a dit qu'il fallait que je fasse. Le bosquet creux, c'est un petit peu ma mission principale. Et le terrier de noir racine, c'est de là d'où je viens. J'ai envie d'aller à gauche. De toute façon, on sera... Oh, punaise, m'a fait peur. Je peux peut-être réussir à le battre avec... avant qu'il retombe de son premier saut. Les grottes mystiques. Ça fait très entrer dans un donjon ou quelque chose comme ça. Oui, ben là, je les ai perdus. Eh oui, il faut que j'en trouve deux maintenant. Alors, attention. Les dégâts, tout ça. Donc là, je récupère de la vie. Le jeu est gentil, hein. Il propose de la vie assez rapidement. Oh, tu as trouvé un fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. Très bien. Le lien d'âme est prêt. Le lien d'âme est prêt. C'était quoi déjà le lien d'âme? Il y a le truc pour les compétences, il y a le truc pour la sauvegarde. Est-ce que je peux t'avoir, toi? Oui. Et vous retombez. Et toi? Toi, tu redonnes que de la vie, hein. C'est très satisfaisant de tout casser. J'ai vu que je pouvais aller en bas. Je vais y aller tout de suite, d'ailleurs. Pense à sauvegarder régulièrement. Ouais, tu as peut-être raison, je vais sauvegarder ici. Partie sauvegardée. Ah oui, en fait, c'est dès que ma boule bleue, là, à gauche, elle est remplie, je peux re-sauvegarder. C'est ça, la petite jauge, là, qui est en train de se mettre, la jauge blanche? Attends, je vais attendre de voir. Ah non, c'est juste la jauge qu'il y a autour. C'est ça? Là, est-ce que je pourrais refaire une sauvegarde? J'essaie de comprendre un peu mieux. Ori, ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibel qui ne cessait de s'étendre. Il en manquait un morceau, si nous parvenons à trouver des fragments de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. Alors qu'est-ce que vous me dites? C'est avec les petits cristaux bleus que tu récupères un lien d'âme. Pour une sauvegarde, du coup. La jauge blanche, c'est le CD, le cristal bleu, ton mana. C'est le cristal bleu pour sauvegarder. Oh, appuie sur X pour placer le fragment de pierre carte. J'en ai un? Ah, c'est bien ce que je pensais, je n'en ai pas. Mais il y en a un juste là. Non, ça c'est pour ouvrir une porte. Donc, on se rappellera que... Ah oui, il me fixe mes sauvegardes. On se rappellera qu'ici, il y a quelque chose. Oh purée, j'ai pas capté que les ennemis étaient revenus, je regardais ailleurs. Alors. Ok. Ah mais je peux sauvegarder qu'une fois. Après j'ai juste accès au truc des compétences. La petite blague. Tiens, je récupère un point de vie. C'est trop cool. J'adore combattre des ennemis. Alors. Là on pourra remonter. Dès qu'il est rougi, ça veut dire que je peux le toucher. Hein. Attention. Mort. Dead. Ah oui. Je l'ai vu là, le cristal bleu que j'ai chopé un peu blanc. Ça permet de sauvegarder, on va le garder pour un petit peu plus tard. Ouf. Ça c'est pas des trucs qui se pètent hein, à mon avis. Non. Ça se pète pas plus que ça. Attention, toi ça se pète toi. Je pousse les boules. Nice. Attends, je vais les récupérer. On va aller voir le petit passage en bas là. Nice.
Ouais, donc je suis obligé de sauvegarder au moins une fois pour accéder à... Oh bah il y en a une autre juste après, tiens, c'est pas grave. Partie sauvegardée. Alors, accroît le rayon et les dégâts de la flamme attisée. Attisée, pardon. La flamme spirituelle touche deux cibles en même temps. Oh, j'ai tellement envie de me mettre full attaque. Mais je suis sûr que c'est pas la bonne strat. Ça c'est nul. Mais dans tous les cas, il faudra tout avoir. On va tout débloquer, donc il faudrait pas que je fasse des choses qui me pénalisent pour plus tard. Ça permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. Raconte la puissance et le rayon de éclat de lumière. C'est quoi éclat de lumière? Je l'ai pas eu. Éclat de lumière. Peut-être un truc, je le vois pas. Non, on a pas besoin de me conseiller. Je pense que je vais essayer de tout faire, de tout équilibrer petit à petit. Attention, hop, on en a récupéré une. Le lien d'âme est prêt. Tout à fait, tout à fait. Mais je cherchais à monter. On est d'accord qu'on ne peut pas. Je ne pense pas que je puisse. Je vais repartir en sens inverse. Et mince, je me suis trompé de bouton, bien sûr. C'est pas grave, on retrouvera de la vie ailleurs. Oui, faut que je me fasse à l'idée que les ennemis vont revenir à chaque fois. Et ça, je peux pas le péter, attention. Très bien, ça, on récupère. Je l'ai tué par en dessous. Ah bon ? Et... Oh merde, j'avais plus de vie. J'ai pris des dégâts. C'est étonnant. Oh, je suis mort en pensant qu'il me restait... Ah oui, non, ça j'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. C'est pas grave, on était juste là, on venait de sauvegarder. Ah, c'est rapide la mort. Tu touches un truc, c'est fini. Voilà, un point de vie récupéré. Le lien d'âme est prêt aussi. Ouais, est-ce que les boules jaunes disent pas... Oh, et c'est là... Et c'est là que ça aurait été intéressant d'avoir le pouvoir qui attire vers moi les objets, je comprends mieux. Je comprends mieux. Mon erreur est ici. Allez, partie sauvegardée. On récupère ça un peu. Bon, on m'a conseillé de sauvegarder régulièrement. Je vais vous faire confiance. Certains gardèrent espoir refusant ce destin. T'étais qui toi ? Oh non. Alors même qu'elle les massacrait un à un. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés et décimés par notre ennemi. Ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de Phil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Merci King. King Warudo. King Warudo qui a ce mentir 1 pour la première fois de toute sa vie. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. J'espère que le stream te plaira. Et merci à French Boys Return qui arrive pour son deuxième mois. Merci beaucoup. Alors j'absorbe la lumière, c'est parti. Merci à Natnuf pour les 10 mois de resub. De bons souvenirs sur Sohori, c'est toujours mon préféré. J'ai vu des gens dans le chat qui disaient que le 2 était mieux. Mais j'imagine que chacun a sa préférence. Tu maîtrises le saut de mur, hein ? C'est ce qui me manquait tout à l'heure. Pour utiliser cette compétence, utilise le joystick en direction du mur et appuie plusieurs fois sur A pour bondir vers le haut. Très bien. Ça va m'ouvrir pas mal de choses, ça. Ting, 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 ting. Ok. Oh, j'en ai deux. Tu as trouvé une cellule énergie ? Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise. Oh, je peux. Ok, dégâts de chute. Non, je peux avoir deux sauvegardes d'affilée maintenant. Ça, c'est très bien. Ah oui, maintenant on n'est plus bloqué par rien en fait. On peut tout grimper. Le sentiment de liberté va s'accroître du coup. Ouais, j'allais le dire. Non. Et merde. J'ai voulu sauter, mais c'est vrai qu'il lui faut un petit temps.
un petit temps pour charger son saut à chaque fois. Ou plutôt charger sa vitesse. Heureusement que les cadavres, quand ils tombent, ils me font pas trop mal. Ah, maintenant, d'où le fait d'avoir mis une petite épine ici. Hop, et bien on va retourner là-bas maintenant. Maintenant qu'on a le pouvoir de grimper. Et il m'a encore eu, hein. Avec son onde de choc quand il frappe le sol. Là, il y en a un, attention. Hop. Alors, attention. Je le sens arriver, cette histoire. Comme quoi... Il va falloir le pousser. Vas-y, vas-y, pousse, pousse, pousse. En plus, j'ai l'impression qu'il glisse le machin. Ah, c'est terrible ce que j'ai fait. Et je dois tout refaire? Ah ouais, d'accord. Alors, le principe de la sauvegarde, c'est vraiment... tu refais tout ce que t'as perdu. D'accord, je vais sauvegarder juste avant cette épreuve. Qu'elle a l'air pas si simple. Oh, il est exigeant le jeu. Attention, les pics. Ou qu'il est exigeant le jeu. Mais on ne peut pas re-sauvegarder sur des... Sur des flammes bleues à toi qui traînent au sol. Hein. Ou je me trompe et que je fais ça mal, peut-être. Attention. On récupère tout ça. Ah, elle vole un petit peu vers moi quand même, hein, la boule. Si tu peux. Ah, alors. C'est donc moi qui n'ai pas compris. J'en avais laissé une ici. Ah bah non, apparemment non. Elle a disparu. Alors. Faisons ça ici. Ah! Attends. Bon, faisons ça ici. Je récupère ça. Appuie sur B pour ouvrir les compétences. C'est pas ça. Maintiens B pour le lien d'âme. Partie sauvegardée. Il y a juste à faire un lien d'âme, c'est ça. Il y a qu'un seul actif sur la map en même temps. Oh, je l'avais pas compris ça non plus. D'accord, moi je crois qu'à chaque fois qu'on... Ok. C'est bien ce que je pensais. Eh oui, je me doutais bien qu'on allait en avoir besoin, même si on a un pouvoir de grimper. Il va quand même y avoir une excuse, soit des ronces. Hop, tu croyais que je t'avais pas vu, toi? Il y a plein d'endroits comme ça. Oula. Ouais, on pourra pas aller plus haut. Je regardais à gauche. Ça sent le fait qu'il y a plein d'endroits cachés un petit peu partout dans le jeu. Il va peut-être falloir que je fouille. Attends. Tu vois, par exemple, juste là, en fait, toutes les parois comme ça, maintenant, ça me donne envie de les fouiller. Appuie longuement sur RT pour saisir des objets et les déplacer. Ah! Et oui! Déjà, ça m'a empêché de passer. Et surtout, c'est un espèce de ponton qui me permet de... Ah, attention! Allez, mon grand! Qui me permet de sauter dessus et d'accéder ici. C'est un morceau de la carte, ça! Vous avez trouvé un fragment de pierre carte. Place-le sur une pierre carte pour débloquer. Oh. Et oui. Il m'a touché. Il a réussi son coup, bravo. Il me fait perdre un point de vie. Donc il faut que je prenne le réflexe de sauvegarder souvent. Ça va encore avoir un peu de mal à rentrer. Mais je vais essayer de faire un effort. Du coup. Eh oui! Ah, j'ai pas vu le gros trou en plein milieu. Oh, d'accord. Évidemment. Oh, ça s'explique. Alors, du coup, ça me donne accès à quoi? Ah. Ok. D'accord. À tout. À tout ce qui me manque. D'accord. Et ça, c'est une autre partie, en fait. Parce que là, on est dans les clairières. Ah, là, voilà, c'est le bosquet, ça, là-haut, ce qu'on cherche. On a fait 53% ici. Oh, ça donne envie de tout visiter en vérité. On va pas tarder à retomber sur le début du jeu et aller sur la droite, je pense. Oh, attends, tu sais quoi, tant que j'y suis? Ok.
te sauvegarder. Voilà. Meurs. Toi aussi la petite plante. On récupère de la vie. Et on va réfléchir. Parce que là de toute façon, je peux en mettre une. Ah, j'en ai deux. Ah, je me rappelais pas en avoir deux, mince. J'aurais bien voulu aller chercher. Je veux aller tout à droite. Je vais aller voir ce qu'il y a tout à droite. Ou peut-être c'est trop tôt. Peut-être qu'on sera amené à y retourner, de toute manière. Peut-être que si j'y vais maintenant, ça ne sert à rien. Et peut-être qu'en fait, il y avait juste un truc qui m'empêchait de passer à droite. Et je l'ai pas vu au début du jeu. Et ça sert à rien d'y aller maintenant, ça va être juste une perte de temps. Donc je vais plutôt continuer par là où on me dit d'aller. De toute façon, dès que je suis bloqué, dans tous les cas, j'irai là où j'ai quelque chose à faire, je pense. Je peux tirer à travers les murs? Non. Oh, il est vilain, lui. Ça, c'est une pierre bleue de sauvegarde. Il y en avait deux, même. Ah oui, d'accord. Alors, on va sauvegarder, monsieur. Allez, là, on joue la plateforme. On peut se baisser, mais ça suffira pas pour éviter les... On peut pas l'utiliser. On peut pas le tuer? Ah ouais, on peut pas le tuer, d'accord. Hop, on récupère ça pour plus tard. On va aller récupérer ça aussi. Attention, parce que lui, il tire vite. Ok. Attention. Pourquoi il y a un truc à droite? Attends. Je suis curieux de voir. Il y a un passage secret? Oui. Ça se sentait qu'il y avait un truc caché. Oh, qu'est-ce que c'est que ce genre de porte maintenant? Avec des petites sphères. Ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons des cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. Ouais, il faut que je garde des cellules d'énergie pour plus tard. Ah! Attends. Ah, ça suffit pas. Il m'en faut 4 d'un coup. Ah ouais, il faut que je trouve 4 réceptacles. 4... Ouais, il faut que j'ai le pouvoir d'en accumuler 4 sur moi, en gros. C'est très beau, là, ce que tu me proposes en bas, là. Est-ce que je peux y accéder d'une certaine façon? Regarde sur la map. Oh, il est complètement à l'écart. Il me faut un pouvoir pour passer à travers les murs, là. Ça ou rien. Et là-haut, je ne peux pas y aller, hein. À moins d'accepter de prendre un dégât, mais... Pas très chaud à cette idée. Non, on va plutôt passer par au-dessus plus tard. Alors, juste ma tête qui gêne. J'ai l'impression qu'il y a un ennemi qui tire. Effectivement, il y avait quelqu'un. Tu vois, je pourrais y aller avec deux, mais c'est pas suffisant du tout. Alors. D'accord. Moi, je vais juste aller voir vite fait ce qu'on vient de voir ici. Voilà, ça, on en a besoin. Les passages secrets me font passer à Rayman Legend. Ouais, je partage ton avis, tu as raison. Il y a de ça, ouais. Oh, c'est joli, les côtes de lumière. Et il m'en manque un qui sera juste à gauche. D'accord, j'ai capté. Tire, mon grand. Voilà. Et oui, il est là. On le voit. Et mince, pardon. Je suis désolé, ça va? Hop, 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 hop. Hop. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux le... En fait, il y a aussi la gravité qui rentre en jeu. Comme tu tombes de haut, tu t'accroches difficilement sur le mur. J'ai été très très fort. Très 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 fort, très puissant même. Voilà, et là on est bon. Heureusement que je l'avais anticipé, que je venais de sauvegarder juste avant. Ah, il y a Maris qui nous dit qu'elle va pas tarder à nous rejoindre. La pauvre, celle qui me conseille le jeu, et elle peut pas être là. Ils me trouvèrent inerte, immobile, accablé. On va aller voir vite fait là-haut. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un mur qui m'empêche juste simplement de passer. Bon, c'est dommage, on a pas tout vu là-dedans. On a fait que 65% de la map. Hein. Nous fit Maori le récit de sa volonté dévoyée. Et ici, je peux normalement sauvegarder. Je crois. Cinématique.
Ori, l'arbre aux esprits, il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Approche, écoute notre histoire, c'est le soir de la cérémonie des Lumières. Comme elle a bourré notre éclat... Et c'est parti pour l'histoire. Et bonsoir Maryse qui vient de débarquer dans le chat, ça fait plaisir de te voir. J'appelais en vain mon enfant pour que me revienne Ori. Ça, ce jeu sur une télé Ambilight, ça doit être magnifique. Ouais, vraiment. Vu les couleurs qu'il y a autour de l'image, ça doit être vraiment magnifique. Il a pas l'air d'être très gentil, lui. Et évidemment que c'est encore que le début, Maryse, on a commencé qu'il y a une heure. Hein. Je sais que je suis speedrunner, mais pas à ce point-là. Hein. Il a juste volé l'âme de l'arbre, en fait. Hein. Kuro s'est emparé de Sein, scellant notre destin ainsi. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits. Notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui, à leur tour, maintenaient l'équilibre de Nibelle et protégeaient la forêt. L'élément des eaux, à la cime de l'arbre de Ginzo. L'élément des vents, dans les profondeurs des ruines éplorées. Évidemment dans le volcan. L'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Oru. Pour que Nibelle retrouve sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà les Krik Arachnida. Ah, la cime de l'arbre d'où jaillissaient autrefois les eaux. C'est-à-dire vers là-bas en gros. D'accord. Je vais sauvegarder un coup. Ça fait pas de mal. Nouvel objectif, trouver l'arbre. Tac, tac. Je peux pas descendre là? Non, ok. Oui, nous allons au bosquet creux. Tout à fait, monsieur le panneau. Oh. Attention, Ori, le sol est instable. Oh. Mais ça peut mener à un endroit qu'on connaît. Regarde, je veux aller. Je veux y aller. Fais-moi tomber. Fais-moi tomber dans le sol. Allez, casse-toi. Casse, 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 casse. Ah non, ou peut-être je peux le casser moi-même. Non, comment je peux faire? Ah! Viens là, viens, viens voir vite fait. Bien. Bien ça. C'est impeccable. J'avais envie de visiter cet endroit avant de remonter tout là-haut. Alors. D'accord. Le problème, c'est que j'ai peur de descendre à gauche, parce qu'après, ça va me demander de... Je sais pas, je suis pas sûr que je puisse revenir après, hein. Ça, on sait toujours pas ce que c'est, hein. Alors, est-ce que je peux me la jouer en mode comme ça? Ah, t'as compris ce que je veux faire, hein. Je recommence, parce que je me suis juste raté. Comme ça, hop. Ouais. On va sauvegarder, ça fait un moment. Alors, ça, ça va... D'accord, donc dans tous les cas, on ne pouvait pas continuer à passer là-haut. Hop, on sauvegarde. Hop, ça fait du bien. Et je vais aller juste là en bas. Là, il y a des murs qui me permettent dans tous les cas de remonter plus tard, j'espère. Bah, ne pas me tromper. Un grand brasier de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points... Oh, ça remplit très très fort tout ça. Et ça, on peut toujours pas le péter. Peut-être qu'à un moment donné, on aura un pouvoir pour le péter. Enfin, quand je dis peut-être, t'as compris. Sauf qu'ils apparaissent pas sur la carte, ces murs-là. Donc, enfin, juste, va falloir retomber dessus un petit peu par hasard, quoi, à un moment donné.
Viens là. Mince, mais elle est où ma... Ah, elle était là-bas. Attends. Hop. Non. Non, d'accord. Voilà. On va maintenant prendre les objets qui viennent automatiquement vers moi. Et je vais prendre le risque de tomber là. Chemise, évidemment. Juste pour voir ce qui se passe. Oui, je pense que c'était nécessaire. Hein. Anneau, l'esprit mort ici, était fort et courageux. Écoute sa voix, il était capable de concentrer notre lumière. Allez. Récupère tout ça. Merci Azuna, ici, Isai, qui arrive pour ses 11 mois. Merci beaucoup. Que du love sur toi. Et merci à Alexa023 qui arrive pour ses 29 mois. Merci pour tout ce temps de sub. Merci Overfloat pour les 7 mois de resub. Merci Cookies of Spooky, qui est un pseudo rigolo, qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Merci beaucoup et bienvenue. Et merci aussi à Kevin, PS4Live, qui a sub en Prime avec Amazon Prime pour la première fois de sa vie. Je te souhaite la bienvenue à tous les deux, bienvenue, merci beaucoup. Tu maîtrises la compétence Flamatiser. Oh, ça y est, on m'en parlait tout à l'heure. Pour l'utiliser, appuie longuement sur X pour la charger, puis relâche X pour déclencher une explosion qui touchera tout ce qui se trouve à proximité. Donc une pierre, autant sauvegarder maintenant. Et c'est bon, j'ai la pierre pour après. Est-ce que ça me permettrait pas de péter ça des fois? Très bien. Ce pouvoir est arrivé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Très très bien encore une fois, je suis vraiment ravi de ça. Donc on peut redescendre tout tranquillement vers là-bas. Ah. Attends. Le problème c'est qu'il faut des pierres bleues pour faire ça, c'est ça? Oh. D'accord, c'est pas grave, j'ai vu qu'il y avait une pierre bleue juste au-dessus. Je commence à comprendre un peu. Alors, en gros, quelle ressource m'est demandée par le jeu pour quel pouvoir, hein. J'avoue que je mélange un peu tout. Ou que je prends très facilement pour acquis ce que j'ai. Voilà. Et ça me l'a rempli en deux fois. Ok. Et là, ça pète. Alors. Et j'en récupère une en plus. Attends. Tant que j'y suis, autant sauvegarder. Si ça, ça me remet full. Non, ça m'en a remis qu'une seule. Il me l'a mise. Oh, il me l'a bien mise en plus, lui. Le lien d'âme est prêt. Oui, mais j'en ai pas besoin tout de suite. Alors, est-ce qu'il faut que je sois... Ouais, non, ouais, j'ai pas besoin d'être trop près non plus pour que ça fonctionne. Oh! C'est un de ces trucs, là? Il a jeté des pics avant de mourir, il m'a touché, peut-être. Je vais re-sauvegarder. Hop là. Alors, voyons voir déjà en haut. Alors ça c'est une cellule de vitalité. J'ai un quatrième point de vie, putain. C'est bien ça. C'est un cœur entier. Je pourrais pas grimper là-haut. Donc, on va partir vers le bas. J'ai plus de facilité à regarder cette map, je t'avoue. Ça m'amène. Alors non, apparemment le jeu dit que je connais cet endroit. Je serais déjà venu ici, oui. Oui, ça me parle, effectivement. D'accord. C'est très bien, on a tout, quasiment qui est plein. Ouais, d'accord, on a tout fait, quasiment. Parce que là-bas aussi, on connaît, en fait. Parce que le début du jeu, c'était là, et on venait de là. Donc... Ouais, bon, il faut que j'aille là-bas, moi. Donc, j'ai pas vu tout ça, là, vite fait. J'ai jeté un petit coup d'œil sur la gauche, voir si je peux grimper. Et sinon, après, on va aller vers l'objectif principal. On a combien de pourcents? 71%. Voilà, moi, mon objectif, maintenant, c'est de grimper sur les murs. Est-ce qu'il y en a un qui est grimpable ou pas? Genre, déjà... Ah oui, non. Non, ça aurait été là-haut que je voulais grimper. Et il n'y a pas d'autre moyen d'y accéder, hein. Ah oui, parce que je peux deviner aussi avec la map si les murs sont grimpables. Après, on a tout vu, hein. Je crois. Là-bas, à gauche, on n'est pas allé voir exactement ce qu'il y avait. Il y a pas de moyen de se téléporter dans le jeu, hein. On est bien d'accord. Hein. Oh, faut que je me retape tout ça. Parce que là-haut,
Là-haut à gauche, il y a un truc, mais je sais pas si je suis allé. Si, il y a moyen. Il y a moyen. Si je veux aller là, par exemple. Alors, parcourir. Comment je pourrais faire? Ah d'accord, tout le monde me dit si tu peux. Vous pouvez me dire comment on fait? Ah, pas maintenant, d'accord. Ok, je croyais maintenant, je me disais, mais tain, la légende ne m'explique pas comment faire. Bon, bah, on va juste refaire ça, c'est pas grave. Heureusement qu'on a un moyen de se téléporter, ça va être beaucoup plus tranquille. Tiens, récupère ça vite fait. Ok, hop, hop. Hop. Donc là... toujours pas moyen d'y aller? Non, sans rire. Vraiment, on peut pas passer à travers le mur. Mais non, on peut pas, hein. Non, on peut pas. Oh. Je vais un petit peu sauter quand même, hein, histoire que ça me touche pas. On va re-sauvegarder un coup. Attention. Donc là, on est bon pour tout grimper vite fait. Tuc, 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 tuc. Oh, il attaque d'abord celui de gauche. Et donc, effectivement, il y avait un petit chemin là, mais j'y suis pas allé. Peut-être parce que je ne peux pas y aller. Si, je peux y aller. Ah, regarde-moi ça. Regarde. La vallée des vents. Ouf. C'est pas un endroit qui m'était demandé d'explorer, ça, la vallée des vents. Ouais, je peux récupérer vite fait un peu de loot pour plus tard. Ça, il faut que je le pète avec l'ennemi, là. Ouh, tu m'embêtes. Ouh, il est méchant, toi. Ouh, il est méchant, lui. Mais tu vas me donner beaucoup de ressources. Donc, même si je suis à un endroit un peu trop éloigné dans le jeu, c'est pas grave. Si j'arrive à gérer... Ouais, c'est ce que je voulais que tu fasses. Si j'arrive à gérer, ça me fera toujours des ressources pour plus tard, en fait. Genre, je farm un peu plus. Je ne vous lis pas le chat, même si vous me dites qu'il faut pas que j'aille là. Je ne vous lis pas. Je joue comme si je jouais de moi-même, en fait. Oui, de toute façon, je me doute bien que le jeu, à un moment donné, il va me mettre en stop. Parce que j'ai pas le pouvoir adéquat. Et donc là, rien que ça, c'est cool parce que j'ai déjà une nouvelle compétence. Alors, et on va augmenter. La plupart des bonus s'affichent sur la carte où la création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité. C'est pas mal, ça. Pour gagner une vie. Oh, c'est pas mal du tout, même. Je le prends de suite. Regarde. Attends, mais non, mais ça marchera pas. Il faut que je crée maintenant. En plus, tu vois, je farm un peu. Hop, tac, 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 tac. J'attends qu'il attaque. Tac, 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 tac. Hop là. Regarde tout ce que je prends d'un coup là. Clouc, clouc, clouc. C'est une belle partie, une belle portion. Hein. Attention, il y en a un qui est là. Viens. Viens, on t'attend. Ah, tu... Oh, t'es timide. Et hop, on récupère tous les objets. Oh, il me chie dessus. Il est dégueulasse. Hop, là, on récupère tous les objets. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose là-haut. On va voir si on peut y aller. Non. Je ne peux pas. Pour l'instant. Peut-être qu'on aura des sauts plus grands plus tard. On va d'abord aller à gauche. Ah, mais c'est fermé. C'est fermé. Donc, il faut actionner un mécanisme, là. 1, 2, 3, 4, attention, 5, oups, on recommence vite, et on recommence très vite, 1, 2, 3, 4, 5, attends, j'ai peur de me piquer en fait. Ok, attention, et c'est pas de bol, hein. C'est pas de bol d'avoir essayé de, d'avoir tout fait pour que ça, je me fasse pas piquer quoi. Et oui, et vu que j'ai fait ses ennemis, j'ai sauvegardé avant. Je dois me retaper à chaque fois les deux piafs là. Attention! Ok. Tu sais quoi, je vais re-sauvegarder un coup maintenant qu'ils sont morts, mais je suis pas sûr que ça comptera pour la sauvegarde. Mais au moins, j'ai gardé les pouvoirs. Attention. Ah, j'ai pas le bon bouton d'attaque, attention. Bon, lui, il est pas très compliqué à battre. 1, 2, 3, 4, 5. Hey,
C'est serré le... Oh, la jauge. Pour sauter, attention. Attention. Ok, 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 attention. Attention. Qui m'envoie ça? Oh, il y en a un qui est tombé, dommage. Donc ça s'est fermé, toujours, hein, ça change pas. Là on a quelqu'un. Ok, vilain, très vilain. Je peux descendre, hein. Non, je peux pas descendre là. Attention. Alors lui, dès qu'il a l'aura rouge, c'est-à-dire que je peux lui tirer dessus. Ok. Allez, un lien d'âme est prêt, ça m'a redonné de la vie. Mais c'est génial, ça. Comment je vais faire pour aller? Il va falloir monter. Je ne peux pas monter. C'est une plateforme. Attention. Attention. Ouh, j'ai essayé de sauter, ça n'a pas fonctionné. Il m'en a mis deux. C'est pas grave. On va récupérer ce qu'il avait dessus. Je vais me faire une sauvegarde ici. Donc ça me récupère un morceau de vie. Et je vais mettre une compétence qui sera réduit de moitié le coup de flamme attisé. Ah ouais, putain, ça pourrait être pas mal, ça. Ou alors, accroît le rayon des dégâts. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Bonus de vitalité. Octroie 2 fois plus de vitalité. Ah, c'est bien, ça aussi, j'aimerais bien avoir. Bah allez, on va tout équilibrer. Ça fera 2 partout. Et tu re-sauvegardes. Et... Zut. Ah, je suis un génie, moi. Ah, je suis un bon, moi. Attention, attention à pas mourir. Je suis mort, hein. J'ai bien fait de sauvegarder juste avant. Alors c'est où exactement que ça s'arrête? Je suis quasiment sûr que je peux y arriver. Et là-haut, vas-y, retuez-moi pour voir s'il vous plaît. J'ai l'impression que je saute trop tôt, mais de peur de pas savoir exactement quand s'arrête le morceau de bois. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Donc ça, ça me redonne pas mal. On va essayer de faire pareil là-bas. Ce qui ne mène nulle part. Allez, on quitte cet endroit puisque dans tous les cas je suis bloqué. Et on va aller tout à droite. Pourquoi il y a une lumière jaune là? Ah, parce que j'ai un pouvoir qui m'indique sur la carte. Ah oui, les portes. Alors les boules jaunes. Comment ça les boules jaunes? Qu'est-ce que c'est les boules jaunes? C'est ce que je viens de récupérer, un truc qui te redonne beaucoup de... Qui augmente beaucoup ta jauge jaune. J'en aurais donc oublié une là. Ou alors c'est un endroit qui n'est pas encore accessible. Non, c'est pas du tout accessible, c'est en dehors de la carte. À moins qu'il y ait un passage secret que j'aurais pas vu. Hein. Sinon, à part ça, ça a l'air d'être plutôt correct. J'ai l'air d'avoir... pas oublié grand-chose. Ah, tu vois? Pas besoin de se spoil, hein. On voit bien que là, de toute façon, on pouvait pas encore y aller et la porte était fermée. Allez, vas-y, sauvegarde un coup. Hop, partie sauvegardée, je récupère tout. Et voilà, moi j'étais tombé en fait. J'ai fait exprès de tomber pour voir ce qu'il y avait en dessous. Ouh, il y a un truc... Non, il y a une aura là. Attention. Ouh, des ennemis, c'est pas beau. Attention. 1, 2, 3... Oh, attention. Il se déplace. Oh, il n'est pas mort complètement. Il y a des petits, des tout petits. Il a fait tomber des trucs là, non? Il a fait tomber un truc. Ça reste un centime. On garde. Hop. J'espère que ma caméra me gêne pas trop, hein, dans la visibilité des choses cachées par le jeu. Alors attention. Il est vilain lui. Oh putain. Ah ok. Ah oui, mais les petits sautent haut. Ah, je pensais pas qu'il en restait encore, hein. Je me suis bien fait mal. On va récupérer ça. Ça va me donner peut-être de la vie. Ouais, putain, chouette, chouette, chouette. Boum. J'en ai pas laissé, là. Non, j'en ai pas laissé. Et là, je peux pas sauter, des fois. Je sais jamais trop vraiment les endroits où je peux passer à travers les plateformes qui sont au sol. Oula. Oh non, ça fait... Oh non, oh non. Ah, des toiles d'araignée, Burk. Bonsoir Evans Perron, merci pour les 13 mois de resub, j'espère que tu vas bien. Merci Crazy Chan pour les 17 mois de resub, merci pour le mois supplémentaire. Merci Loctrod pour les 1000 bits que tu envoies très gentiment. Et en plus le resub de 3 mois. Bah, je suis désolé que t'aies pas passé une bonne journée, j'espère que ça ira mieux ce soir. Merci Mister Poulpax pour le sub prime pour la première fois de toute sa vie, bienvenue.
Merci Lilou Kitsune pour les 200 bits, bonsoir à toi. Bonsoir à LaRoRoProd qui a resub pour son deuxième mois, merci beaucoup. Merci à Kilowen Pook qui a resub pour son troisième mois. Merci à Ludivine HRD qui a resub pour ses 19 mois, merci beaucoup. Et merci à Izen MW qui a resub pour ses 11 mois, ça ressemble un peu à Hollow Knight, je kiffe l'ambiance féerique et mystérieuse de ce genre de jeu. Merci à vous pour les subs et resubs. Alors, je peux descendre. Je vais pouvoir aussi monter. Juste pour me prendre un stop, je sens. Attention. Ah mon dieu, Berk. C'est très mal ça. Donc là, il m'en faut 4, hein, évidemment. Ça ne marchera pas. Oh, c'est dégueulasse. Je passe à travers? Oui. Oh, nice. Donc, je peux péter ça. Oh, il y avait un truc à péter là-haut aussi. Je peux... Oh, bien ça. Bien ça, vas-y, récupère fort. Donc là-bas, il y a toute une porte. Là-haut, je ne peux pas y aller. Et il y a des pics partout. Purée, comment je vais y aller, moi? Bon, va falloir que je trouve un moyen, mais... je vais pas... Je tente un truc. D'accord? Je tente un truc. Alors, bon, je suis tombé, c'est pas ce que je voulais tenter, mais je vais tenter un truc. Mais, d'accord, bon, bah alors je pense que j'ai pas le pouvoir adéquat. Oui, je voulais monter au-dessus et prendre des dégâts et voir ce qui se passerait en fonction. Attention. Vous venez, vous? Allez, vous venez. Et le problème étant qu'il y en avait en bas. Tout ça pour récupérer un réceptacle de vie en plus, donc ça en valait complètement la peine. J'ai 5 vies maintenant. Dommage qu'il n'y ait pas des chemins qui s'ouvrent en fonction du nombre de points de vie que tu as. Alors attention. Et je n'avais pas vu. Il y a une pierre là-haut qui ne demande qu'à être pétée. Ah! Mais du coup ça condamne un petit peu... L'endroit, non? Est-ce qu'on pourra y retourner plus tard? Encore? T'es de retour? Elle m'a touché? Non, c'est bon. Moi, je voulais voir s'il y avait un truc là-bas. Aïe! Ça fait super mal. Alors, attention. Et oui, je les ai vus, les pics. Et oui, je les ai vus, les pics. Et je suis bon pour me retaper tout ce que j'ai fait juste avant. À savoir ça. Mais surtout, aller chercher... tu sais quoi là-bas? Yut. Hop. Et ça pardonne pas la sauvegarde dans ce jeu. Ok. 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 Alors attention. Bien. C'est que je peux y aller en plus à gauche. Venez à moi, vous. Et on va aller voir ce qu'il y a ici. La... Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Une cellule d'énergie. Oh, trop bien. Ça, c'est très bien. Une en plus. Donc, en fait, ça veut dire que les petits endroits comme ça cachés sont accessibles. Donc, l'endroit qui avait caché là, là, ce petit truc là, était accessible d'une manière ou d'une autre. Il y avait moyen d'y aller. Pourquoi je n'ai pas récupéré ça là-bas d'ailleurs? J'y pense à l'instant. Je vais essayer de voir si je peux la voir. Ou alors si juste c'était fermé d'une quelconque façon. Attention. C'était juste à gauche. Et après, ouais, d'accord. Encore un peu de chemin. Hop, eh ben, tant qu'on y est, on va refermer un petit peu. On va même re-sauvegarder un petit coup. Attention. Eh oui, j'attaque qu'un ennemi, un par un, forcément. C'est un petit peu long, mais on pourra débloquer plus tard un pouvoir qui permet de tirer sur autant de personnes, ou plutôt sur deux personnes à la fois. Les cailloux, bonjour. Voilà, merci de venir. Hop. Alors, tac, attention. Vous êtes en kikinant, vous? Eh oui. Bien vu qu'il y avait quelque chose à gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
Vraiment? Ou c'est juste moi qui ai foiré mon coup? Est-ce que si j'ai beaucoup d'élan, je pourrais pas essayer d'y aller? Je reprends plus d'élan. Je crois pas. Et de ce côté-là, je ne pourrais pas non plus. Ok, non, c'est bien pensé. Et je suis ravi de savoir que les ennemis sont revenus. Hein. C'est vraiment super. Bon, ça ne pourra que me farm, au pire. Là-haut, j'ai essayé d'y aller. Je peux pas. Attention à pas sauter trop bas. Parce que les petits sautent haut. Très bien. Ça donne pas plus que ça. Hein. Hop là, on n'est pas loin de d'avoir encore un nouveau pouvoir. Hein. Regarde, ma jauge jaune, elle est presque pleine. Donc, je vais juste tomber tout en bas et partir à droite. Hop, nouvelle araignée à tuer. Merci, au revoir. Voilà, un nouveau pouvoir nous attend. Alors, réduit de moitié le coût des flammatisés. Les bonus de vitalité récupérés octroient deux fois plus de vitalité. Surtout que maintenant j'ai beaucoup de vie, ça peut être intéressant. Je vais mettre ça, tiens. Je vais la jouer défense maintenant. Hop, on va récupérer ça avant que ça tombe. Quelle erreur. Ok, c'est pas grave, j'ai récupéré toute la vie que j'avais perdue. Je reçois le garde un petit coup, hein, ça fait pas de mal. Les petites feuilles là où je me demande toujours si je peux pas grimper. Qu'est-ce qui se passe, Maryse? Askip, je t'ai menacé. Tu peux dire que je suis une modératrice gentille. Maryse, tu es une modératrice, ça c'est vrai. Effectivement. Attention. Je vais essayer de passer là. Oui. Ok, je les ai eus. Qui passaient sous l'eau. Et j'ai quand même réussi à tomber. Je suis trop fort. Un mec trop fort. Oh, ok. Ah, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, Maryse? Je m'en suis pas rendu compte. Quoi? J'ai la ref, ok. Et de toute manière, on peut pas aller là, d'accord. Attention, les méchants. Revenez. Je prends toute l'XP du jeu, moi. Est-ce que... Y a-t-il un passage secret, là? Non, pas du tout. Très bien. Et là? Aucun intérêt. Attends, ça commence à faire pas mal de choses. Oh, il y a quelque chose là. Attends. Qu'est-ce que tu essaies de me faire dire? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est juste pour montrer que là-haut il y a ça? D'accord, je l'ai détecté avec ma carte maintenant. Ça vire. Eh oui, maintenant l'objet qui nous manque, il est ici, évidemment. Ça pète pour l'XP, c'est bon ça. Et je ne peux pas aller là-dedans. Là-haut, pardon, je veux dire. Je ne peux pas aller là-haut. D'accord. Oh! J'ai pris un dégât. On va tâcher d'aller chercher ce qu'on cherche. Attends, juste avant, je sens que... Non, je pensais qu'il y avait un trou ici. Ça... Oula. Bon, pas grand intérêt à tout péter non plus. Hein. Juste à passer au-dessus. Mais j'aimerais juste péter ça. Pour aller récupérer l'XP si possible. Ouais, pas mal. Et il n'y a rien d'autre. Mais regarde l'XP, on est presque à la moitié. Alors qu'on a changé de pouvoir là il n'y a pas longtemps.
D'ailleurs, je vais sauvegarder. Que ça fait longtemps. Je vais essayer de récupérer ce qu'il y a juste en bas, là. Et oui. Et on sait où est-ce qu'on va la mettre, celle-là. Et ici... Et non, on peut pas vraiment y aller. Et j'ai peut-être sauté trop vite parce qu'il y avait encore des choses à voir là-haut, je crois. Et je peux plus y aller. Et on retombe à un endroit qu'on connaissait déjà. Et il lance ses piques, effectivement, oui. Ils sont tellement... Oh non. Ils sont tellement petits et subtils que je les vois pas partir à chaque fois. Ah, dans le doute, autant ne pas trop bouger, en fait, quand il te tire dessus. Je vais repasser là-haut, juste pour avoir le... la certitude que... Ah oui, ici. Et si, il y avait quelque chose. On aurait dit une mine, ce que j'ai vu. Oh, et ça, on dirait une petite boule de la... Oh! Oh, oh, oh! Oh, l'ennemi! Puissant! Mais on voit des boules de lave qui restent au sol ensuite, qui font pas mal de dégâts. Lui, on le connaît. Va peut-être falloir que j'envisage d'augmenter ma puissance d'attaque hein, à un moment donné. Oh putain, il m'embête. Parce que là, je fais à peine trop, pas assez mal. Oh, il y en avait deux autres. Des cachés. On va sauvegarder, ça fera pas de mal, allez. Ah oui, envoie-moi du feu là. Tu l'as pas envoyé au bon endroit, mais c'est pas grave. Envoie du feu, s'il te plaît. Là, juste là. Envoie du feu ici. Non, là. Plus vers là. Là, approche-toi. Ah, ça n'a pas suffi, dommage. Ou peut-être qu'il fallait que tu marches dessus, peut-être. J'ai peut-être fait une bêtise. Il y a une source de lumière verte, là. Comme s'il me fallait un nouveau pouvoir. On est toujours au bon endroit, hein, on est d'accord, je me suis pas perdu. Oh! Oh purée! Oh, il m'a démonté! Oh, il m'a démonté! Mais fort! Attends. Est-ce que c'est toi qu'il faut que t'ailles frapper le... Mec, tu me laisses pas... Non, déjà, tu m'enlèves toute ma vie, c'est hyper frustrant. Et surtout, tu me laisses pas le temps de sauter. Ah, ok. D'accord. Oh, t'apportes beaucoup, toi. Je vais re-sauvegarder. La gestion des sauvegardes est de plus en plus intéressante en fonction de comment tu joues. Attention. Ah, mais attends, mais c'est XP à l'infini, ce truc, ou quoi? Oh, putain, il m'a pété ça. Je l'avais pas vu comme ça. Oh, j'ai une vie en plus. Oh, je l'avais pas vu comme ça. J'avais pas compris que c'est lui qui allait me... D'accord. Est-ce que tu peux m'apporter beaucoup d'XP, toi? Je regarde bien ma jauge. J'ai voulu essayer de le faire sans bouger. Ça m'apprendra. Tu m'as porté... Ouais... Pas de ouf non plus, mais ça se prend. Hop, on sauvegarde. Toujours ça de prix si on veut bien augmenter. Il va être encore là, l'autre? Ouais, il va être encore là. Et... Oh oui, d'accord. Et j'allais dire, il faut obligatoirement qu'ils se cognent quelque part pour qu'ils disparaissent. Ouh, ils sont embêtants. Voilà, et en plus, tu m'as tué l'autre ennemi, mais... Oh putain! Mais enfin! Faut pas faire ça. Ah, il repop! Source d'XP à l'infini. On peut pas tuer, hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse le tuer. Hop là, attention. Donc ça, on peut rien faire. On peut pas le péter. Ah oui, ça a vraiment utilisé le... J'espère que je l'ai pas sacrifié pour rien. Surtout que j'aurais bien aimé sauvegarder, j'allais dire. Eh ben, putain. C'est pas un endroit qui a l'air très facile, là-haut. Eh, ce serait pas l'endroit le plus dur du jeu. Attention. Ah, parce qu'il fait une aura d'énergie quand il explose, et ça me touche, et ça me tue. Mais enfin, monsieur le jeu. C'est donc lui l'ennemi le plus fort du jeu. Ah, je prends... Là, je prends des... D'accord. Je me fais démonter.
On esquive tout. Il va faire son rayon. Mais c'est bon, il ne touche pas. Hop, j'esquive. Et c'est bon. Oh, ça me casse les couilles. En fait, monsieur, est-ce que je suis trop tôt dans le jeu à cet endroit? Ou c'est vraiment la suite logique et la difficulté à grimper x10 instantanément? Ah, tout ça pour un endroit fermé. Ah, j'ai fait tout ça pour ça. Mmh. 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 Ah ouais. Mais c'est qu'il est trop fort. Il m'a touché. Au revoir. Et merci beaucoup. Oh non. Oh non, il est en kikinant lui aussi. Ah, t'as beau avoir un milliard de points de vie, lui, il s'en fout. Il te tue en une fois. Alors, on repart vers... Trop fort. On repart donc vers la droite. Il y a un truc au sol? Non, il n'y a rien. Et on va partir vers les marées malépines. Attention, premier ennemi du jeu qu'on avait rencontré. Mais avec un petit peu plus de vie, hein, tu remarqueras. Le marée malépine. Et là, je peux sauter. Non, je peux pas. Pas aller là-haut. Ils sont marrants, les amis. Attention. 2, 3, 4, 5, 6. Attention! Je me parle à moi-même en disant ça à chaque fois. Bon, ils sont gentils parce qu'ils me redonnent de la vie aussi, tout le temps. Ok, on aurait pu aller là-haut aussi. Hein. Ah, mais il y a un caillou à pousser! Je l'avais pas vu! Tu l'avais vu? Moi, je l'avais pas vu! Peut-être qu'il fallait le tirer juste le caillou. Et je crois qu'il fallait le tirer le caillou. Il ne sert à rien ici. À moins qu'il y ait une grotte cachée là-haut. Et je crois qu'il ne sert à rien. Oups. Allez là, tu vas faire un petit peu le plein. Miam miam miam. Oui, je garde ma détermination bien sûr. Par contre, je peux me téléporter, je n'avais pas capté ça. Si je le souhaite. Je peux aller à un autre puits. Allez, c'est reparti. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Attention, ça pique un peu. Je sais même pas si ça one shot ou si ça... En fait, le... Ah, mais en fait, j'ai poussé le caillou parce que j'étais obligé, je pouvais pas passer s'il était là, je crois. Je crois. Je pouvais complètement passer s'il était là. En fait, il fallait juste que je le tire 2 secondes, le caillou. J'avais pas besoin de le pousser jusqu'au bout et d'ensuite revenir. Hein. Vraiment, j'avais pas besoin de faire ça. Alors Cory a porté à la forêt espoir et lueur. Non, d'autres préféraient s'abandonner aux ténèbres et à la peur. Un goumon des ruines éplorées. Nous devons le suivre pour lui reprendre ce qu'il a volé. D'accord. Allez, encore un gros ennemi à battre. Et voilà. Je peux pas rester sans bouger en fait. Il faut toujours qu'il y en ait un petit qui vienne me toucher. Il faut que je les esquive à chaque fois. Oh, il en restait. Un moyen. Est-ce que... Non. Et il a sauté. Il est fou. La map... Attends, il y a quelque chose là-bas. Hop, 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 hop. Oh. Oh. Comment ça? Comment ça, je peux pas le... Mais... C'est pas... Oh, d'accord, ok. On peut pas les... Tu crois que...
Eh bien non, je ne peux pas apparemment les ouvrir ces trucs là. Il faudra un pouvoir. Là c'est... Oula. Oula, le perso il a pas l'air de... On peut pas passer par là non plus. Et ouais, c'est pas destructible, ouais. Il manque un pouvoir, ça se sent. Toi tu me redonnes pas mal d'XP, merci. Je vais essayer d'aller à droite là-bas. Tout en sautant. Est-ce que c'est la suite? C'est peut-être la suite. C'est pas la suite. Et là j'obtiens beaucoup d'XP. Je suis bien là. Ça faisait longtemps que j'avais pas sauvegardé d'ailleurs. On va donc améliorer l'attaque comme j'avais dit. Et je vais bientôt avoir encore un autre pouvoir. Ouh, j'avais pas capté qu'il y avait des trucs. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Il est mort lui? Non, il était pas mort full. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Et paf, encore un point, mais c'est génial ça. Qu'est-ce qu'on va augmenter cette fois? La flamme spirituelle touche deux cibles en même temps. Ah ouais, j'en ai trop besoin ça. Quand il y a certains ennemis qui m'attaquent à plusieurs, tels que lui par exemple. Vas-y, viens. Viens. Viens avec moi. Viens là. Encore un petit. Encore un peu. Allez. Et paf. Ah non, ça n'a pas suffi pour... Ah oui. Oh, c'est plus rapide pour les tuer maintenant. Double coup j'ai comme attaque. Je fais double coup, c'est trop bien. Partie sauvegardée encore. Ouais, je vais partir sur la gauche un petit peu. Là où je peux pas y aller. Et on va aller à gauche encore. Hein. Attention. Oh. Ah bah je suis sur la bonne route de toute manière. Et la porte est fermée. Est-ce que je me rapproche petit à petit de ça là-bas peut-être? Je vais passer par en dessous et ça va me ramener au terrain du début peut-être. Ah, ok. Alors ce qu'il faudrait, ce serait que tu pètes ici. D'accord, je pensais qu'il m'avait déjà... Ok. Il fait deux mouvements différents. Il apparaît. Et là, il tire. Voilà. Vas-y, refais-en un ici. Ah oui, tu l'as juste démonté. Désolé, je pensais pas que t'allais m'avoir dans cet angle mort. Je peux juste pas accéder à toi. Attention! Ok. Qui veut me tirer dessus? Il y a bien quelqu'un? Non? Personne peut-être? Mais il a bien... Ah voilà! Et lui il veut me tirer dessus. Tout ça pour... En fait, je rêve où ils se téléportent les ennemis. Je vais sauvegarder, j'ai plus que... Voilà. Plus qu'un point de vie, je vais dire. Ah, et à chaque fois, il y en a un qui a... D'accord. Il se lance lui-même, ou alors il se lance un congénère. Ah non, il a buté, en fait. Et là, c'est un cratère où un ennemi va pouvoir sortir. Et normalement, voilà. Et ça, ça casse. Très bien. Par contre, j'aimerais retourner sauvegarder un coup, s'il te plaît. Et en même temps, récupérer ça. Aïe. Je suis... Oh là là. Oh, ça m'a pas sauvegardé. Oh, ça dégoûte. Allez, dépêche-toi. Ça m'embête. C'est pas grave, je suis bête parce que je suis pas obligé de retourner juste là pour sauvegarder en fait. J'ai juste à faire ça ici. Oui. L'intelligence, tu connais. T'en as déjà entendu parler. Oh putain. J'espère qu'il y aura pas des stats à la fin du jeu en mode... Oh non, je vais me retaper la cinématique. En mode vous êtes mort tant de fois, vous êtes nul à ce point-là. Ah ben d'accord, ok. Je dis ça et en fait Marie, vous m'envoyez un truc il y a 5 minutes pour me dire justement, il y a des stats qui te disent combien de fois tu meurs dans le jeu. Ouf. Juste par curiosité.
Oh, je suis passé à travers. Trop fort. Oh putain. J'ai un bol monstrueux. Par contre, j'ai pas réussi à péter ça. Tant pis. Alors. J'ai pas eu le temps. Tu peux le voir tout au long de la partie? Mon nombre de morts, c'est vrai? Je suis mort 20 fois? Non. C'est pas possible. Je pensais que j'étais mort beaucoup plus de fois. 20 fois, ça me semble assez peu. Rien que là, tout à l'heure, j'ai enchaîné 3 morts d'un coup. C'est juste de me laisser un peu plus de temps, monsieur le jeu. S'il vous plaît. Déjà on récupère ça. Et on va aller chercher, je crois qu'on peut... Peut pas, pourquoi on peut pas? Pourquoi je peux pas sauter là-haut? Enfin, monsieur. Bah, c'est giga frustrant ces moments où... Ça manque d'un pouvoir typiquement. Un petit pouvoir pour faire... Tu sais, juste le pouvoir du double saut. Eh oui. Mais bon. Peut-être pas pouvoir vous récupérer vous là-bas. Autant qu'à y être. Ou non. D'accord, si je prends deux dégâts en continu au même endroit, je meurs. Hein. Parce que j'avais toute ma vie. Ah putain, faut que je retape tout ça. J'avais pas capté où j'étais. Oui, évidemment, j'avais pas sauvegardé. Ah oui, non mais... Ah non, mais ça va m'apprendre. Et donc là, je suis à 23, effectivement. Et là, je suis à 24, ok. À gauche, ça m'a l'air d'être un chemin très tranquille. Je suppose qu'on va aller à gauche. Putain, il m'a eu deux fois. Petit puits. Petite sauvegarde. Ok. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a une cinématique, je sauvegarde pour pas me la reprendre. Ça donne pas tant. C'est un autre chemin. On récupère tout. Oh purée! Ah, il fait pas plus mal. Mec! C'est bon? Il faut vraiment sauvegarder toutes les 5 secondes en fait. Tombe là. Voilà. Et je re-sauvegarde direct. Je veux pas revivre ça. Et les trompes, c'était pas aussi violent à mon époque. Ok. Full vie. Oh, d'accord. Attention à pas se faire écraser aussi au plafond. Et donc j'en suis à 4. Et je crois que 4 était le nombre nécessaire et adéquat pour ouvrir certaines portes. Donc c'est très bien. Me voilà très heureux. Le lien d'âme est prêt. Pour sauvegarder, ouais. Oh, attention, L'eau est toxique juste en dessous. Alors pourquoi?
Oh. C'était de l'XP orange, ça? La porte... ouais. Je peux pas vraiment y accéder. Il a fallu... Oh! Putain! Il a fallu qu'il se mette sur mon chemin, qu'il me bloque. Faut que je retourne chercher ça, là. Vu que ça me l'a pas sauvegardé. Putain, il faut vraiment sauvegarder toutes les minutes. Ah, j'aurais pu sauvegarder plus proche. Ou passer par en haut aussi, en fait. J'aurais bien aimé que tu te reprennes... Je vais repasser par en haut, ça sera bien plus rapide et surtout plus simple. Hop. Il m'en a mis deux dans la tête. Bien, bien, bien. Juste par curiosité, hein. Je le vois pas. Je le vois pas. Je suis aveugle. Pourquoi je suis mort cette fois? Ah, parce que je venais déjà de prendre des dégâts. Il faut attendre qu'il ait arrêté de prendre des dégâts pour pas s'en reprendre un deuxième. Deux d'affilée et je meurs, c'est ça? Je crois. Ah oui, oui, effectivement, il y a une belle pierre là. Mais... mais enfin! Mais comment c'est possible? Merde. Trop fort ce que je viens de faire là. Ou alors c'est deux fois le même dégât à la suite peut-être. Donc peut-être qu'il faudrait que je prenne un dégât avec eux pour annuler ma la mort avec le pic peut-être. Non, je pense pas que ça marche comme ça. Ah, tout à l'heure il m'a donné de la vie verte. Là il m'en a pas donné, peut-être que je vais mourir. Je sais pas trop. Ah, ça m'enlève deux points de vie en fait. Mais alors imaginons que je sois bloqué. Qu'en fait cette pierre je suis obligé de la prendre pour mourir. Si je sauvegarde ici c'est mort non? Non. Mais en fait si. Ah. Je m'embête araignée. Oh putain, je vais la prendre. Je te balance trop. Donne-moi de la vie. Tu sais que j'ose pas sauvegarder. Si là je peux me le permettre. Waouh. Oh putain, c'est arrivé comme ça d'un coup. Je l'ai vu, je l'ai vu à droite du chat. Oh, waouh. Je l'ai vu. Je l'ai vu arriver d'un coup. Il y a eu, il y a eu 25 subs qui ont été offerts direct. Je suis pas le seul à avoir eu la même réaction. Putain. Putain, sans déconner. Waouh, merci beaucoup, putain, sans déconner. Gamesy lol. Comme ça, sans prévenir. Personne s'y attendait. On a tous eu la même réaction, on a fait... quoi? C'est trop sympa. C'est trop gentil, merci. Game... Game's lol. Putain, quel élan de générosité, merci. Putain, t'as fait 25 heureux, là. Là, dans le chat, là, il va y avoir des contents.
Je suis mort, je sais pas de quoi. Attention. Merci encore, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi à Cham sur Twitch qui a resub pour ses 5 mois. Merci à Hugu qui a resub pour ses 15 mois. Et merci pour ton message. Et merci à Nausicaa12 qui a resub pour ses 8 mois. Merci pour ton message aussi. Waouh, mais juste merci de ouf, GameZilol, ça fait plaisir vraiment. Oh, ça dégoûte de mourir aussi bêtement. Alors, jusqu'à qu'on retrouve une pierre bleue, on va se faire discret un petit peu. Alors, attention. Ah ah. Eh ouais, mais j'ai pas du tout assez d'énergie là pour le coup. Comme quoi. Oh, oh tu. J'avais sauté. J'avais anticipé, j'avais sauté. Le repère de Gumo. Oh, j'ai pas de vie. J'ai pas de. Mais c'est un combat ou. Oh, je sais plus si c'est une salle où on pouvait combattre. Hein. Je sais pas si c'est là que je devais la mettre. J'aurais dû le mettre à. Il n'y a pas d'autre endroit où je devais la mettre, cette pierre. Eh oui, là-bas. Elle a toujours pas reçu sa carte, elle, là-bas, je viens de remarquer. La pauvre. Je l'ai mise à un mauvais endroit, je pense. Oups. Ah, merde. Putain, faut se retaper tout. Oh, eh oui, parce que j'ai pas de pierre bleue, je peux pas sauvegarder. Je suis comme un con depuis tout à l'heure. Allez, allez, tu vas y arriver. C'est bien ça. Donc ça on peut pas y aller là, malheureusement. Non, saute, 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 saute. Ouais, on peut pas. Bonsoir Zone. Bonsoir Zone is cool, j'espère que tu vas bien. Alors. Vas-y, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc je récupère pas, je récupère rien. Ah, c'est embêtant. Il me faut des pierres bleues et vite. Là, on peut pas y aller. Alors attention. Ok, d'accord, d'accord, je vois, je vois. Ça, j'imagine hein, qu'il faut pas se mettre entre les deux cailloux quand ils se frappent. Hein. Oh, petite déduction. Comme ça. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose caché là, en bas. Voilà, je l'ai récupéré. C'était de l'XP, d'accord. Attention. Ok, il y a un ennemi. Que de l'XP. Eh mais c'est que ils sont tous pile à la hauteur où je peux pas grimper par dessus. Oh putain, j'ai cru que c'était un objet qui venait de loin que je pouvais récupérer. Bon, il faut que je revienne en arrière dans le jeu et que je trouve des pierres bleues pour sauvegarder. Là, ça m'embête trop. Je crois que ça a été ma pire erreur de venir à cet endroit du jeu. Mais mec. Oh, laisse-moi vivre, s'il te plaît. Je me souviens même pas de ces ennemis-là. Donc où est-ce que je pourrais trouver un peu de bleu? Ça me remet pas fou, ça, des fois. Ah, quelle bonne nouvelle. Ah, là, je me sens mieux. Là, je suis content. Ça y est, je suis content. C'est bon, je râle plus. Je suis plus un râleur, c'est fini. J'ai arrêté le râlage. Oh bah tiens, tant qu'on y est. On peut ouvrir ça. Et ça ouvre un passage. Qui n'est pas la suite du jeu, donc autant aller jeter un coup d'œil. Non. Non. Mais en fait, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est vraiment pas ce que je voulais faire. On l'a tous vu, je voulais faire ça, moi. Pour rien, en plus. Parce que je peux pas grimper là-haut. D'accord. Eh bien, ça ne sert à rien, puisque je peux pas nager, donc... Donc, tout ça pour rien. Tac, allez. On refait ça. Dommage que ça sauvegarde pas automatiquement, ça. Et on va se retaper tout ça, bien que maintenant on peut... Eh ben oui, on a la map, donc on sait maintenant que le plus intéressant c'est d'aller vers en bas.
On va avoir un nouveau pouvoir là-bas. On va aller en bas. Y a-t-il quelque chose de caché? Rien du tout. Hop là, attention. Caché? Non, rien du tout. Aucun intérêt de venir là, je suis bloqué, à moins que là, il y a un truc caché, rien du tout. Attention à pas mourir. Tu peux pas créer un lien d'âme sur un sol instable. Ah ouais, bon, ouais, je le crée là, alors mon... Ah non, c'est une zone dangereuse, je peux pas créer un lien d'âme ici. D'accord, j'arrête de faire des bêtises alors, c'est bon. Et là-bas... Attention. Hop là, voilà. Voilà. Partie sauvegardée. Où ça sent le combat de boss. Et je pensais pas que c'était ici en fait le... Ou peut-être que si. Il va en prendre plein la gueule, attention. Oh, oh, ok. Alors. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'utiliser pour... Non, moi j'aurais envie de le tuer, mais j'ai peur qu'il faille l'utiliser pour quelque chose, pour genre ouvrir une porte ou quelque chose comme ça. Il a presque déjà plus de la moitié de sa vie. Il est dans le rouge. Ah mais non, en fait fallait le tuer, fallait pas l'utiliser. Merci empereur. Empereur bonbon moussant. Qui arrive pour son 14e mois. Nice. Pas mal ça. J'en avais pas déjà une. Ah, j'ai peut-être récupéré plus tard, mais comme je suis mort entre temps, il faut que j'aille la récupérer. Hop là. Je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. C'est bon. Attention. J'aurais peut-être dû sauvegarder maintenant que j'y pense. Ça va pas sauvegarder la fin du combat. Hop là, c'est bon. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un nouveau pouvoir, ça y est, ça commence à être de plus en plus long. L'attente. Pour XP. Salut à ceux qui disent salut, si vous venez d'arriver. Eh bien salut, coucou, enchanté. Là il y a un ennemi qui va tomber, un coquin. Voilà. Ça là où je peux pas le récupérer. Ah, c'est l'araignée qui m'avait tué. J'étais persuadé que c'était un bonus qui me venait dessus de loin. Naïf. Et il m'en manque un. Allez, on sauvegarde ici. Même si c'était le dernier bleu que j'avais. Attention. On va... Ouh, ouais. Oh, attention, il y a des pics là. Qu'est-ce que je suis censé faire ici, moi? Wow. Attends. Quoi? Il y a un truc caché là ou... Ah non, il y a juste des putains de pics. C'est formidable. Bah, je viens de sauvegarder à l'instant donc c'est pas grave. Ah mais en fait j'avais les deux. Ah oh, je croyais que j'en avais qu'un mais je suis... Tu vois l'ouest? Vers dans quelle direction c'est? Moi je suis que là-bas. Je suis que là-bas depuis le début. Yes. Yes. J'ai gagné un point de compétence. Ça j'aime. Ça j'aime bien ça. Alors. Augmente la puissance et le rayon de éclat de lumière. La puissance et le rayon. Ok. J'ai pas eu encore besoin de trop de ça. Et sinon augmente encore plus la puissance de flamme spirituelle. Ça peut être bien. La plupart des bonus sont récupérés automatiquement et les bonus d'énergie récupérés octroient 50% d'énergie en plus, ok. Et réduit de moitié le coût de flammatiser et permet à Ori d'utiliser Sprint en air. Et ça j'en ai besoin. Je sens que c'est ça qui me manque à certains moments pour... Oh, il y a un petit moucheron dans ma chambre. Mais comment... Mais d'où... Comment tu... Que tu fais passer à travers la fenêtre? Par l'aération peut-être? Ouais, je sens que c'est le truc qui me manquait à un moment donné. Il y a un petit truc à faire et un petit saut. Et je me suis dit, ça typiquement, c'est ça qu'il me faut pour passer.
Alors. Petit ponton. Là aussi, petit ponton. T'as pas fait long feu. Ouh, attention. Toi, tu t'es coincé, trop bien. Tu vois, là, si je l'avais le truc... Ouais, je suis pas sûr que je pourrais accéder là-haut non plus. À moins que si c'est que horizontal, je pourrais pas y accéder. Je saute pas assez haut. Par contre, si je peux sauter à la verticale, ça change tout. Un arbre ancestral, l'Eru, un J ici même. Elle était l'Est. Elle était l'Est. J'étais l'Ouest. Agile, elle savait fendre l'air. Ouh, ça sent le bon pouvoir là qui arrive. Ça sent le bon pouvoir. Hein. Tu es... Oh. Oh oui. C'est encore mieux que ce que j'espérais. Un double saut. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Ça fait une attaque ça? Oh là là. Oh oui. Oh oui, c'est tellement ce qui me manquait. Ça, le double saut mêlé. Ah, ils m'ont enlevé la plateforme qu'il y avait. Le double saut mêlé au pouvoir. Au pro... Ah, l'arc. Au prochain pouvoir que je vais choper. Ça va être une tuerie. Oh, le double saut, c'est tellement agréable de jouer dans ces conditions. Merci. Hop, la petite sauvegarde. Oh oui, parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. C'est trop parfait même. Ce jeu est trop facile ou quoi là? Allez, il faut vraiment que j'augmente maintenant. Mais du coup, j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que ça m'a amené ça là-bas? Oh, j'ai tellement envie d'essayer tellement d'endroits maintenant. Là où je pouvais pas y aller, ça. Trop bien. Trop bien. Alors, est-ce que je peux le tuer encore une fois sans bouger d'ici? Non, j'ose pas. Mais j'aurais pu. Nice. Et hop, une énergie en plus. Purée, on est trop fort nous. Là, je reviens ici, d'accord. Donc, on a tout fait. Hein. On va sauvegarder là-bas. D'ailleurs, je vais en refaire un petit coup. Hein, ça mange pas de pain. Et maintenant, on va s'amuser. On va repartir là-bas et on peut passer à gauche, là où il y avait les pics à gauche. Donc, c'est trop bien. Mais il y a quand même un endroit où il y avait un espèce de petit ponton et. Et je sais plus où il est. Il était là-bas. Et juste là. Je m'en souviens très bien. C'est là où il y a la petite sphère orangée. Donc on pourra revenir la récupérer plus tard. Hop là, attention. J'avais pas capté. Et oui, maintenant que j'ai mon double saut, je peux faire ça. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Hop là, plus XP. Parce qu'on est trop BG. Là-haut, ça mène. Douk, douk, douk. Ça ramène là-haut, ok. Je crois pas que je puisse y aller comme ça, non. Faut pas abuser non plus. Par contre, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire aussi. Impeccable. Vraiment impeccable. Ça, je peux pas passer, là. Alors, mon perso bug. Hein. Il court. Il peut se baisser, il peut courir. Il a pas compris. Hein. Tu me vises. Ah, oh, tu me vois de loin, toi. Elle tombe vite. Le machin il tombe super vite. Alors attention qu'il n'y ait pas de l'eau. Alors là il y a de l'eau. Ouais, je pourrais y aller. Ouais, je pourrais y aller faire le tour de tout cet endroit. Là j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose juste au-dessus. Alors est-ce que c'est possible ça? Oui. Ah, c'est chouette. Je vais sauvegarder, ça fait 1000 ans que je l'ai pas fait. Voilà, là on peut tomber ici. Oula. Attends, on va prendre le temps. Yes, et joyeux anniversaire. Angie Dremur qui arrive sub pour son 12e mois en tier 2. Bon anniversaire à toi. Le jeu qui a inspiré le nom d'un de mes OC. Voilà, bon live, j'espère que tu aimes le jeu. J'aime le jeu, sinon je me serais arrêté avant. Mais j'aime le jeu, effectivement. Disons que je passe un certain... Un certain plaisir sur ce jeu, oui. Attention les pics, juste là. Là, il y a une porte qu'on va pouvoir ouvrir dès que j'aurai trouvé une pierre bleue quelque... Ok, ok. Ok.
Ok, oh là, on va pouvoir XP fort. Et on va pouvoir prendre ça, sprinter en l'air. Oh non, il en faut deux. Ah, je me suis fait avoir. Ok, belle fin 12. Bravo. Et malheureusement, et il m'en manque un. Il faut que j'aille chercher une pierre bleue quelque part. Dommage. Et en plus, là-haut, je peux... Mince. Tu me fais douter le jeu. Tu me fais douter, ça ne servait à rien à part juste avoir de l'XP. Qu'est-ce que c'est que ça? Saisir les objets. Ah oui. Faudra que je trouve des pierres bleues d'une manière ou d'une autre après. Là, y a rien. Plus très envie de faire une sauvegarde aussi. Hein. Ah mais attends, j'arrive de l'autre côté dans tous les cas. Ah ah, c'est un laser en continu. Ah oui, mais je suis obligé d'aller de l'autre côté. Parce que là, dès que je le lâche... Si je le fais tomber, c'est finito. Le laser, il me vient dessus, moi, après. Je suis obligé de retourner là-bas, ouvrir la porte et enlever la pierre. Pas possible autrement. C'est embêtant. Mais en fait, il y en avait ici. Est-ce que ça peut repousser? Est-ce que si j'attends comme ça, patiemment, est-ce que ça peut repousser? Ou alors il faut que je m'éloigne un petit peu et que je recharge la zone, en fait. S'il y en a qui connaissent le jeu, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Pas l'air de repousser plus que ça. Hein. Attention. Voilà, imaginons que je me sois éloigné comme ça. Mais ça n'a pas suffi. Et il faut que je parte. Oh bah attends, ça a quand même rechargé l'araignée tout de même. Voilà, si je descends encore plus bas, tu vois. Du genre là où j'étais tout à l'heure. Tu vois, bien dans l'angle. Ça va peut-être la recharger. Ouf, ça l'a pas rechargé du tout. Ouf, on va aller voir vers là-bas. S'il n'y a pas un truc qui traîne. Oh, j'ai pris cher? Oui. Ouf. Ouf. Je l'ai vu, je l'ai vu. Hop, tant qu'à y être. Autant tout récupérer ici. Oui, on fera un tour. Bon, on reviendra là-bas tout à l'heure. Sauf que j'ai envie de faire une sauvegarde. Parce que je suis bien loin et si je meurs, ça pue. Donc je vais malheureusement faire une sauvegarde ici. Ah, ouais. Ouais, ouais, j'ai un peu... Juste hésiter. Hop, un lien d'âme. Ok. Ok, ok, ok. J'essaie de regarder un petit peu partout s'il n'y a pas des petits secrets. Enfin, pas des secrets, mais des... Genre comme s'il y avait des passages secrets ou des endroits où on pourrait passer. C'est très proche de juste en bas, là. Une petite chauve-souris à demander à personne. Hop, un petit bleu là. Qui me donne envie de sauvegarder, tu sais, le petit bleu. Attention. Je suis pas sûr hein, de comment je vais faire. Si, comme ça, tout simplement. Ah putain, il me propose encore des trucs qui peuvent se péter. Ça me fait de l'XP moi, c'est sûr. Mais après je suis comme un con parce que... Allez, on va espérer que l'autre s'est rechargé entre temps. Là, cette XP elle va me servir plus tard. Alors attends, parce que ça... Ça fait quoi ça? Pardon, j'y arrive pas. Ok, ça m'ouvre là. Donc comme je tombe là, je pourrais y aller plus tard. Et là maintenant, si je veux, je peux faire ça.
Eh oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est cool, hein. Et moi, j'ai pas fini de faire ce que je faisais en bas, malheureusement. Donc, je vais devoir y retourner. C'était par la gauche. Par en haut? Par en haut. Hop, attention. Et c'est... par juste en bas. Oh, putain. Et donc, il s'est bien rechargé. C'est cool pour nous. Parfait. Et en plus, l'autre, il est à moitié chargé. J'espère que ça en vaut le coup, hein. J'ai juste un peu long. Merci Blue Haven 3 qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue et merci beaucoup. Très bien. Donc ça c'est bon. Ça on condamne. Et je vais avoir besoin de l'autre, donc je fais le tour maintenant. Et on peut repasser par là. Et là et là et là. Hop 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 hop. Hop, un petit peu de vie ça sert à rien. De l'XP c'est toujours ça de prix. Toi aussi la petite araignée. Voilà, ça aussi c'est toujours gratuit. On prend. Voilà, ça je peux le descendre. Et on peut accéder maintenant. Voilà. On peut descendre plus bas mais surtout on peut. Voilà, on peut que bloquer ça. Mais est-ce que je peux le faire tomber avec moi? Je suis pas sûr que ce soit ça. De toute manière je pourrais remonter si je veux. Je peux aller à gauche comme à droite. Je vais aller à droite en premier. Attention. Aïe. Attends. Il tire. Et je dis aïe parce que regarde. Je peux pas monter là-haut. Je sens que j'ai pas. Il me manque encore un pouvoir ici. Ah ça pique ça, ça fait mal. J'ai fait tout ça pour rien. Ça m'embête fort. Oh non. Ça a tout niqué. Ça a tout arrêté. Tout ça pour ça. Mais c'est pas ça qui a ouvert le chemin à droite. Donc tout ça pour ça. Il faut revenir plus tard, c'est bien ça. Hein. On revient plus tard avec un nouveau pouvoir plus tard. C'est dommage. Plus rapide, c'est par la gauche. Attention. Hop, tant qu'on y est, on récupère ça. Et on repasse par là-haut avec l'araignée qui est juste là. Qui m'a bien eu. 1, 2, 3, hop, on sautille. Là, il va juste falloir faire attention à pas se toucher un pic. Ah si je peux le faire maintenant, oh dites-moi le, je flemme de revenir plus tard, si je peux le faire maintenant, allez-y, hein. Je pouvais faire tomber la pierre, tu peux bouger la pierre, eh oui, parce qu'il n'y a plus de rayon, et la pierre elle tombe, Oups. Oh merde. Alors ça par contre. Ah ouais. Oh attention. J'ai peur qu'il se la prenne sur la tête le pauvre. Oh ça a réellement pas du tout anticipé. Waouh, une cellule d'énergie en plus qui me remplit tout ça. Plus une nouvelle, et là. Trop bien. Trop bien en fait. Alors, ça fait quoi ça? Comment je le... Comment ça passe? Attends. Permet à Ori d'utiliser sprinter en l'air. Mais attends, sprinter c'est... Pourquoi je sens que c'est un pouvoir que j'ai pas encore débloqué en fait? Je croyais que je pouvais sprinter en l'air, mais en fait c'est un truc que je possède pas, non?
Oups. Oups, j'ai fait une erreur. Oups. Oups. Oups, la gigaboulette. Oups. Oups, les deux compétences gâchées. Oups. C'est pas grave, de toute façon je l'aurais acheté. Oh non, pardon. De toute façon je l'aurais acheté tôt ou tard. Ouais. Oh, j'ai peur. Eh oui, j'ai... Mais ma peur était confirmée. Je vais sauvegarder. J'ai pas envie de me refaire tout ça. Tout ce chemin. Et on va continuer par là qui est la suite. Oh bah tiens. On en profite, on récupère ça, on est full. Full bleu. Donc c'est pas mal. Et lui, là-haut, il nous attend. Il nous envoie des... Ah, il s'est bloqué. Sauf qu'il va nous envoyer des cailloux, je pense. Attends, déjà... Déjà sauvegarde parce que j'ai pas envie de me refaire la cinématique. Alors ok, je peux passer en dessous. J'ai eu peur que ça me one shot, je dois t'admettre. En fait faut attendre que il y ait un petit passage. Attention, attention. Ok. Donc toi tu vas me redonner la petite vie que j'ai perdue bêtement. Ah, j'avais pas vu le rondin. Ok. Juste par curiosité. Ouais, ouais, je savais. Enfin, je savais pas, non, mais je veux dire, mais ça se sentait. Essayez d'appuyer sur R ou L en l'air. Ah, attends, je vais faire ça après la cinématique. Et mec, je t'ai sauvé, tu vois bien que je te veux pas de mal. Non. Non, il se passe rien. Ori emplit son cœur de bonté et d'espoir. Ouh, ça c'est... J'aime beaucoup ce que tu me donnes là. Oh oui. Tu as retrouvé la source. Cette gemme antique va te permettre d'entrer dans l'arbre de Genzo. Très bien. Souviens-toi, l'élément des eaux se trouve à la cime de l'arbre de Genzo. Nous ferons à nouveau jaillir l'eau. Retourne-y vite. Eh, hey, 83% quand même. Donc il faut que j'aille là-bas. Très 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 bien. Je peux y aller sans problème maintenant que j'ai mon double saut, t'inquiète. Attends voir. Parce que maintenant que j'ai mon double saut, est-ce que ça peut m'aider? Et oui. Waouh, une vie en plus, mais j'ai l'impression que j'ai un milliard de vies. À la fin, il va y avoir tout l'écran qui va être rempli. Hop là. Attention, on récupère un peu d'XP, on se fait plaisir. Et là en bas... Mauvaise idée. Je sais pas, je tente. Ouais. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ça ne servait à rien en fait. Puisque de toute manière je peux pas encore... aller dans l'eau, violette. Allez, on va donc rebrousser chemin et retourner vers le début où on était, tout en profitant de... Attends, mais c'est où d'ailleurs que je dois aller? Mais c'est au-dessus enfin. Tout en profitant bien regarder les endroits où on voit qu'il y avait des moments qui étaient inaccessibles jusqu'à maintenant, et où en fait on peut y aller maintenant parce qu'on a le maxi double saut qui fait trop plaisir. Hein. Y'a pas un truc qui tombait? Eh oui. Eh oui. La porte de 4 là-bas. Oh, la porte de 4 là-bas qui mène au début du jeu. Mais je pouvais pas y aller. Y avait un lac d'eau violette qui m'empêchait de passer, si je me rappelle bien. Et là, on va faire le plein. Ah, y'a un petit secret à droite là. Attends, comment je peux y aller? Peut-être par... Je sais pas trop comment on fait pour y aller sur les endroits cachés.
Et donc ça, et bien maintenant. Excellent. C'est triché ça ce que j'ai fait ou pas? C'est pas triché hein. Oh merde. Attention. Elle est vilaine. Attention j'ai dit enfin. Oh putain mais elle m'embête. Et... Non, alors je me suis trompé de bouton. J'ai confondu sauvegarder. Ouais, d'accord. J'ai confondu sauvegarder et l'autre. En plus, au final, les deux me prennent la même quantité d'énergie. Attention. Il crache du feu. Attention. Ok, là où il y a quelque chose, hein. Là où il y a un truc, mais alors là, aucune idée de comment je vais pouvoir y aller. Et ici... Et ici, ben je peux pas. Voilà, ici je peux pas. Il y a encore... encore que j'obtienne un pouvoir qui me permet de casser les plafonds ou casser les murs. Parce que je peux pas le faire. Hein. Attention... Hop, petite sauvegarde supplémentaire. Hop là, un peu de vie. Bien. Oh. À gauche, il y a un chemin qui nous mène à une boule jaune qu'on a... Oh non. En sens inverse, celui-là? Mais je peux pas. Oh, il y a un caillou qu'on n'a pas pété non plus. Mais d'ailleurs, comment est-il accessible? Parce qu'on pouvait pas y aller. Ah voilà, c'est là le ponton que je... C'est ici, mais attends, mais je peux refaire tout ça en sens inverse? Attends, je vais sauvegarder, vu que j'ai récupéré un truc. Attention. Et merde. Loser. T'avais tout pour réussir, loser. Ouais, en fait, le double saut m'aide énormément. Alors, attention. Je répète. Attention. Ah, deux. Très bien. Et c'est là-bas que je veux aller. Je vais faire une sauvegarde, au cas où. Je me connais, je suis capable de mourir bêtement. Ah, la durée du double saut est suffisante pour esquiver le rayon, en fait. Oh. Et comment je vais, moi, là-bas? Attends, voir. Comme ça. Hop, on récupère encore un peu d'XP. On récupère des pierres comme ça. C'est très propre. Hein. Oh, il est sorti plus vite que ce que je pensais, le rayon. Et donc là, on rejoint, ouais. Ouf. Eh oui, mais j'allais dire, fais gaffe en fait. Si tu sautes trop, tu meurs. Je récupère ça, je suis ici, et c'est... Et ici c'est l'endroit où il manquait la map. Que j'avais amené à un autre endroit sans faire exprès. Merci. Tu peux sprinter en l'air avec R2? Non, je ne peux pas. J'aurais bien aimé. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je peux remonter là-haut? Ah non, merde. Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, c'était sur la route. Quoique j'aurais bien voulu repasser par là-bas. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça, ouais, ouais. Ok. Juste, meurs pas. Vite. Très bien. On trace, on trace, on trace, on trace, on trace. Il y aura des moments où il faudra aller. Oh oui, c'est vrai, je vous avais oublié. Si je m'approche de vous, vous avez peur, non? Attention. Je suis pas allé à droite. Attention. Je vais pouvoir les marrer. D'accord. Ah, j'aurais dû sauvegarder là. D'accord. Attends, il y a trop de chemin là. C'est pas par là qu'il faut que j'aille, mais...
peut quand même être intéressant. J'ai sauvegardé, on est d'accord. Je vais tenter juste une curiosité. D'accord. Bon, après je suis nul, j'arrive pas à remonter. Mais c'était largement faisable. Ouais. Vas-y, attention. Je le prends. D'ailleurs, je suis con quoi. Alors, ça va me coûter combien là-haut? 2. La création d'un lien d'âme rétabli de cellules. La plupart des bonus sont récupérés automatiquement. L'augmente de la puissance et le rayon de l'éclat de lumière. J'ai besoin d'augmenter cette puissance-là, moi, au final. Ah, 2. Ah, bon, bah d'accord. Bah du coup, il m'en faut 4. Ah ouais, mais je vais garder pour la puissance de feu, alors. Qu'est-ce que c'est, ça, au sol? Et je suis bloqué parce que je n'ai pas le pouvoir de péter ça. Genre de faire des charges au sol, tu vois. Je crois hein, que j'ai pas le pouvoir. Donc c'est pas par là qu'on va aller. Voilà, on se souviendra qu'ici, là, les espèces de petits pontons, c'est trop tôt pour nous. Oh ouais, je l'ai bien mangé celle-là en plus. Je l'ai bien prise. Il faut que j'aille. Ouais, j'aimerais essayer d'aller là-haut. En haut à gauche. J'y suis pas allé. Eh bien. On pète ça, ça fait de l'XP. Et c'était juste pour ça, bah c'est toujours pour ça de prix, ça fait plaisir. Par contre, en bas à gauche, il y a cette boule. Ha! Hé hé hé! Comment j'y vais, moi? Comment je vais te la chercher, cette bouboule? En sauvegardant, déjà. Parce que eux, ils me touchent une fois, c'est mort. Oula, c'est beaucoup trop, ça. Donc c'est ça, hein, si je m'approche d'eux, ils disparaissent direct. Non, je peux clairement pas y aller. Hein. Je peux clairement pas y aller pour l'instant. Il me faudra peut-être le sprint en l'air, je pense. Il faudra se rappeler qu'il y avait un truc ici. Il faut se souvenir de tout. Tu vois, la minimap ne le dit pas qu'il y avait un secret ici. Allez, ça dégage. Hop là. Ça dégage. À moins que je puisse faire ça. Oui, ok. Ok. Oh putain, encore de la vie. Mais mec, j'en ai trop. Je peux y aller vraiment? Ouais. Incroyable d'avoir autant de vie. Bah, je m'en plains pas. Ouais, j'ai sauvegardé. Une fois de plus. Là, on peut toujours pas. Bah on pouvait péter ça. Pourquoi je l'avais jamais fait avant? Si je m'approche, vous disparaissez. Et ça j'aime bien. Et je suis jamais allé trop à droite. Oui bien sûr. Moni School, j'ai vu ton message sur le channel de Discord. Oui. Bien sûr. Et merci. Voilà, ça c'est bien quand il en tue un parce qu'il lui fait beaucoup de dégâts à chaque fois. Et il lui fait cracher beaucoup d'XP. À droite, il y a quoi déjà là-bas? Rien, hein, on a tout pris, on a tout fait. Ouais, on a tout fait. Par contre, au-dessus, il y a une petite boule de pouvoir d'XP que j'aimerais bien aller récupérer. Hop, ça en prend. Et nous, on va aller si on peut... Ah mais non! C'est que c'est fermé. C'est que c'est fermé. Et ça, on peut toujours pas le péter. Et est-ce que je peux grimper plus haut? Pas plus. Pas plus. Très satisfaisant de tout péter aussi rapidement. Peut-être falloir que je sauvegarde, ça fait un moment, non?
sauvegarder. Je pense qu'on va s'arrêter de jouer à 23h. Hein, dans une demi-heure. Alors, on va entrer dans un nouveau lieu. Juste par curiosité, je vais aller à gauche pour voir ce qu'il y a, maintenant que j'ai le double saut. Ah, ça va être maintenant, là. Y'a pas le triple saut. Oh, dommage. Désolé, désolé pour les dégâts, mon petit. Attention. Imagine que tu fasses ça, comme ça, là. Ouais. Oui. Bien joué, mec. Juste pour ça? Oh non, tout ça pour ça? Oh, giga décevant. Et là, si j'avais le sprint? Non, peut-être pas. Donc, il y a bien quelque chose là-haut, mais je peux pas y accéder. D'abord, on peut pas. Oh, j'aime bien aller tout fouiller, là. T'es en bas, on n'y est pas allé. Il y a plein de trucs qui manquent encore. J'ai fait que 47% de cette zone. C'est incroyable. C'est rien du tout. Ah, oh là, je suis vraiment tombé... À l'endroit pile où il fallait pas aller. Putain. Je prends giga cher. Allez. Allez, on va dans l'arbre du coup. Et on va voir ce qui s'y passe. Ouais, le jeu est vraiment très très joli. Hein. Merci beaucoup, Mushroom Carpet, qui a envoyé 200 bits. Merci beaucoup, petit Sam Twitch, pour les 19 mois de resub. Merci, Lilou Kitsune, pour les 200 bits. Les eaux de Nibelle se déversaient autrefois de cet arbre, mais le voici désormais mort et creux. Pour qu'à nouveau jaillisse l'eau, il nous faut trouver le cœur de l'arbre de Ginzo. Appuie, ouais, d'accord. Juste sauvegarder. Ça sauvegarde? Il n'y a pas le message, mais c'est pas grave, j'en déduis que ça sauvegarde. Alors là, il y a quoi? Attends, ça se passe comment? Ah, c'est un téléporteur, j'avais pas capté. Ok, faut les tuer pendant que tu sautes. D'accord. Eh, c'est un petit peu comme Pac-Man en fait. Dans Pac-Man, quand tu vas à droite, ça te ramène à gauche ou quoi là? Attention. C'est pas un let's play, hein. C'est un test. C'est une découverte. Oh, c'est un peu long pour un test quand même. Non, c'est une belle découverte de 3 heures. Mais j'en fais pas un let's play. Alors. Tout va bien le chat? Je risque de le continuer en solo. Mais en live, ça c'est sûr que non. En solo, c'est peut-être. C'est même pas encore sûr. Pardon, non mais j'étais en train juste de réfléchir. On peut vous tuer vous? Non, ça se sent, vous êtes indestructible. J'étais en train de réfléchir là à... Faut que je saute là-haut là. Qu'est-ce que c'est que cette galère? Ouais mais attends qu'il fasse le tour déjà. Mais enfin, j'ai sauté. Enfin, j'ai appuyé sur le bouton saut, je te promets. Je l'ai fait. Ah d'accord, je croyais qu'on pouvait s'accrocher là. Donc, on va aller... Eh oui, je suis allé juste un petit peu trop loin. Ça commence à me consommer pas mal de vie, tout ça. Ah oui, non mais attends, je l'ai vu. Je l'ai vu, ça. Ouais, ça avance pas mal. Hop, on prend. Merci beaucoup, Mam. Mam MRGT, qui vient à l'instant de resub pour son 6e mois. Ça nous téléporte là-haut. D'accord. Et à gauche, on pouvait pas y aller dans tous les cas, non. Et j'ai cru que c'était un trampoline bleu, tout bêtement. Bah attends, le chemin qu'il y avait à gauche, je l'ai loupé? Oh, je peux plus y aller là maintenant avec les ronces. Je pense que c'est celui-là. Non, plus, non, pas vraiment. Attends. Et là, à droite, je peux pas y aller, tu me dis?
Je peux complètement y aller si je veux. Je crois, j'espère. Oui, mais carrément. Et ça m'amène exactement... Je sais pas où il est. Si, ça m'amène exactement là où je voulais être. Ok, et je peux... redescendre. Pour me refaire ça. Parce que c'était trop kiffant de refaire ça. Oh oui, c'est trop kiffant de refaire ça. Mm-hmm. La caméra qui gêne un peu, hein, je m'excuse. Oh putain, j'ai pas bien anticipé. Oh putain, j'ai pas bien anticipé. Oh, je sais pas où je suis. D'accord. Ah, je suis... Ah, je suis en train de me dire, mais ça fait combien de temps que j'ai pas sauvegardé, moi? Ah oui. Eh oui, bah écoute, moi on m'avait prévenu, hein, depuis le début du jeu, tout le monde me dit, il faut que tu sauvegardes fréquemment. C'est pas faute de me l'avoir dit. Et juste, l'oubli total. Là, vraiment, l'oubli total. Dans ma tête, ça n'existait plus. Ah, pff, très le dégoût. C'est pas grave, on va refaire ça rapidement maintenant que je connais. Ah, il bouge plus. Oh. Eh, ils sont cassés. Vous êtes cassés ou quoi là? Marchez plus. Sens propre comme figure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé le jeu. Ou alors... Eh merde, ça lâche deux fois. Ou alors c'est ce que j'avais déjà remarqué une fois, que quand je meurs, les ennemis... ils font plus rien en fait. Ou soit ils existent plus, soit... ils bougent plus peut-être, pour que ce soit plus facile. Allez, on va devoir se retaper tout ça. Et repartir par là-bas. Oh, je l'ai bien pris celle-là. Pour aller chercher quoi déjà? Il y avait quoi de ce côté? Ah oui, juste ça. Ouais. Hop. Hop là, ici. Et puis là, hop, voilà, là on va rigoler. Donc je fais une sauvegarde là. Là. Là, je tombe ici. Et je vous devine qu'il y a un truc là. Et nous sommes à un nouvel endroit. Excellent. D'accord, donc il va falloir récupérer le tronc qu'il y a là-haut. Hein. Ah bah nickel, justement. J'en parlais. Est-ce que tu vas tester le 2 du coup? Oh, eh ben ça c'est une question. Pas bête. Attention parce qu'il va me tirer dessus aussi. Hein. C'est une question vraiment pas bête. Mais alors là, je sais pas quoi te dire. Si le 2 est exactement comme le 1, je pense pas que ce soit nécessaire de l'utiliser. De l'essayer. Attends, je suis en train de comprendre que il tire et ça retombe là. Donc faut que j'aille en chercher un autre qui est juste ici. Il va tomber aussi le pauvre. Ah mais non, il va pas tomber puisque je vais le pousser à l'intérieur. Alors attends, d'abord toi, tu passes. Voilà, toi tu tombes. Et là ça devrait marcher ou alors il est... Ah, il est un petit peu trop sur la droite je crois. Non, ça a marché. Très bien. Il faut pas que je reste trop longtemps dans cet axe hein, parce qu'il va retirer. Et merde, attends, vite sauvegarde. Ok. Le 2 est plus beau, plus agréable, plus facile, sachant que le 1 est déjà incroyable. Le gameplay est très proche en effet. Si tu veux continuer en solo, ce serait plus judicieux d'attendre de l'avoir fini si le 2 est direct à la suite. Tout à fait, mais le truc c'est que c'est pas sûr à 100% non plus que je le continue de mon côté. Et c'est que j'ai pas plus le temps que ça en fait non plus de me consacrer à un jeu. Sauf quand c'est Pokémon Arceus évidemment. Donc je sais pas. Là vraiment je peux pas vous donner de réponse et je m'en excuse. Mais je pourrais en plus. Le jeu je l'ai sur le Game Pass, je l'ai gratuitement. Je peux même le lancer là maintenant dans la foulée, tu sais.
Mais ouais, je sais pas trop. Oh, il a tiré très très vite le monsieur. Attention, on récupère ça quand même. On va pas tarder à avoir deux éléments. Après, c'est pas exactement la même façon de jouer dans les deux. Ah bon? C'est pas exactement la même? Petite sauvegarde après le boss, tu connais. On va faire quoi? On va tomber. Plus tu vas tomber, plus tu vas aller vite ou pas? Non, pas plus que ça. Et merde. Et merde, deux fois. Il y a un truc à gauche. Alors attends. C'était même pas une si bonne idée que ça de faire ça en fait. Moi je veux faire ça. Oh non, je l'ai pas eu. Il a fallu que je prenne un dégât. Voilà, on en a eu deux. C'était extrêmement frustrant d'être trop nul. Ah, il... ok. Ok. Eh bien putain. Ah bah putain. Ah bah putain. Tout ça pour ça. Super. Oh, je l'avais pas... Oh, ça m'agace. Enfin. Oh non. Je me sens tellement nul. Je me cogne tellement à toutes les ronces. Non, je voudrais sauvegarder en fait. Voilà, merci. Oh, il était affreux ce tableau. J'en ai que deux pour l'instant, pour le moment. Donc, ce... ouais, d'accord, il y en a une ici, il y en a à gauche. Allez, on va rigoler. Voilà, moi je rigole. Je rigole déjà très fort. Hein. Et oui, sachant que j'avais pas re-sauvegardé depuis. Trop des barres. Donc je disais. Déjà, on va sauvegarder ici. Putain, mais c'est pas vrai. Voilà. Très bien. Et là, il y a des ronces, des putains de ronces. Je les vois, je le dis. Et j'arrive quand même à... Ah merde, c'est pas grave. On retombe là. On re-sauvegarde. Et on peut ouvrir ça. x4. C'est quoi ça? On dit qu'on pouvait le péter. Alors. Des cris de désespoir s'échappent de l'arbre ancestral. Réhem était agile et filait à toute allure à travers les airs. Écoute sa voix, c'est... Ah, à travers les airs. Ok, je demande à voir. Donne-moi ton nouveau pouvoir, s'il te plaît. Alors. Tu maîtrises la compétence frapper pour l'utiliser appuie longuement sur Y près de lanterne ou de projectile ennemi et oriente ton saut dans la direction de ton choix. Les projectiles seront renvoyés à l'expéditeur. Oh, d'accord. J'ai envie de te dire nice. Très bien. Une sauvegarde s'impose. Allez, viens te battre, toi. Viens me donner ton XP, là. Que je puisse avoir un nouveau pouvoir. Non, c'est pas suffisant. Par contre... Utiliser frapper sur tes ennemis. Ah oui, ah non, arrête. Mais c'est génial. Oh, ça ouvre tellement de... Voilà, oh, c'est même plus des doubles sauts que j'ai, c'est des quadruples sauts. On peut... J'ai envie d'essayer une dinguerie, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pensais que ça allait suffire, mais en fait c'est par au-dessus qu'il faut passer.
Hop, un petit peu de vie. Hop, voilà. Et là, on va péter ça là. Non ? Vraiment pas ? Là, je suis pile dans l'axe, regarde. D'accord, non, vraiment pas. C'est plus vers le haut que c'est dirigé. Mais alors, comment je fais pour la choper, moi, ce truc-là ? Il me manque un pouvoir encore pour péter ça. Ou peut-être qu'il y a un truc qui va tomber de là-haut. Et regarde, il y en a un autre à droite encore, ça... Il manque un truc dans mon... Il manque un truc quelque part, là. Ça mène là ? Bah, c'était pas si fou que ça. Je pensais qu'il allait beaucoup plus vite et péter ça. Le projectile va à l'inverse de la flèche. Ah, mais c'est pour ça que je comprenais pas. Oh, mais c'est génial, d'accord. Tu as gagné un point de compétence. Ça aussi, c'est plutôt génial. Donc là... Ah, d'accord! Il avait même pas besoin que je le redirige. Il s'est fait tout seul. Ah, d'accord! D'accord! Bon. Alors, c'est quoi qu'on voulait prendre, nous, déjà? Plus d'éclats de lumière pour ensuite faire plus de dégâts de feu. Ça va faire du bien, plus de dégâts de feu. Putain, il est sympa comme tout, ce level. Ah, d'accord, ok, je sais, j'ai compris. Ah non, je pensais que... Ah mais parce que j'ai pas utilisé le bon bouton, c'est pour ça, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Hmm. Oh, je l'ai pris plein fer. Hein. Donne-moi ça. Hop, d'accord. Raté. Vas-y, tire-moi dessus. Oh, j'ai du mal à viser. Il faut que je vise encore plus. Comme ça. Ouais, qui retombe bien. Et l'intérêt de venir là, c'est d'avoir une jauge en plus de bleu. Et ça, c'est très 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 le bien. Et bon, on va fêter ça, on va sauvegarder. Alors, j'ai pas besoin de toi pour monter. J'ai pas besoin de toi non plus pour passer là. On va plutôt partir là. Très stylé ce pouvoir. Très kiffant. Et merde. Ah ok. J'avais même pas fait exprès qu'il y avait... J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Mais c'est fou. D'accord, en fait c'est clairement pas là qu'il faut que j'aille. Ok. Ouais, il faut switcher. Hein. Faut bien switcher en fait hein, avec le double saut et le pouvoir qui est sur Y. Une fois que tu l'as en main, c'est bon. C'est parti. Plus rien ne t'est impossible. J'en ai bien 4. Hein. Et c'est impeccable ça. Oui, petite sauvegarde, t'as raison. T'as raison, ça mange pas de pain. Merci de me le rappeler, la sauvegarde de temps en temps. T'as complètement raison. Hop là. Ah oui, eux ils font des rayons laser, c'est pas marrant. Ah oui, faut que je lui renvoie évidemment. Mais moi ça m'envoie sur les pics enfin. Eh oh, 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 oh.
Enfin, monsieur. Mmh. Comment je fais pour aller là-haut? On retombera plus tard de là-haut. Et donc j'allais faire une sauvegarde, mais en fait pas besoin, puisqu'on a le petit puits. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et genre vraiment je peux... Attends. Vraiment je peux aller là-haut d'une manière? Mmh, mmh. Mmh. Tac. Où le bordel? Le cœur de l'arbre de Ginzo protégé. Autrefois l'élément des eaux. Mais le voici aujourd'hui malade et gangréné. Nous devons l'aider, le soigner, le purifier en le débarrassant du mal qui le ronge des deux côtés. Allez, tac, tac, on casse tout. Hein, on casse pas tout. Allez, de deux côtés, je vais commencer par la gauche, si vous le voulez bien. Je sais pas pourquoi j'ai cru que je pouvais m'accrocher à ça. Ah, ils meurent dans les pics, les ennemis aussi, comme moi. Tiens, on va faire une petite sauvegarde. Attention. Oh, d'accord, j'ai... Ah oui, je l'ai fumé mon truc là. Oh, le double. Le double jump. En fait, ce que j'aimerais, c'est que... Voilà, toi... Mmh. Je l'ai tué. Je l'ai tué avec sa propre attaque, le pauvre. Ah merde. En fait, il y avait tellement de trucs différents. Il y avait ça qui fait que je pète. Et il y a un truc à chercher là-haut. Ah mais toi, tu vas peut-être m'aider. D'accord. Mais péter l'arbre, par contre... Ouais, je vais peut-être pas y arriver comme ça. Je croyais qu'il y avait un chemin caché, mais j'ai rêvé. Vas-y. Envoie-moi quelque chose. L'araignée, s'il te plaît. Est-ce que je peux... Ah, d'accord, il a toujours la même trajectoire, il retombe pas par la gravité. Faut juste à faire ça. Hop là, je récupère ça, merci, au revoir. Très bien. Et donc là on peut... Ouais voilà, on peut casser ça. C'est ça qu'il disait, faut le casser des deux côtés. Et on pourra aller tout... Oh merde, j'ai pas fait exprès de tomber. Mais de toute manière, j'ai rien à faire tant que j'ai pas pété le deuxième côté. Alors... Bonjour vous. Laisse-moi réfléchir. Oh! Laisse-moi réfléchir. Il va y avoir tellement de... On peut les récupérer, ça? On peut pas trop les récupérer, ces petites attaques, je crois. Ces petits pics. Vas-y, vas-y. Non, on peut pas. Je confirme qu'on peut pas. Mais... Donc en fait... Il y a lui qui tire. Il faut que je l'envoie dans la bonne direction, quoi. Il faut que je le suive. Oh, ça va être intéressant. D'accord, il faut aussi que je tue tout le monde sur le passage parce que sinon
ils vont prendre les dégâts de la boule. C'est bien que ça arrête le temps comme ça. Oh putain, eh oui. Mais attends, la blague elle est là. Alors est-ce que ça fonctionnait? Ça n'a pas fonctionné. J'aurais peut-être dû attendre, il allait passer sur le sol en fait. J'étais peut-être pas obligé de couper comme ça. Ouais, j'avais pas besoin d'attendre comme ça. Est-ce que ça suffira? Merci. Et là, on peut péter ça. Trop bien. Trop cool. Trop bien. Petite sauvegarde. Et alors donc? Et alors donc? Mmh. Est-ce que j'ai fait une erreur en sautant trop tôt là? Je peux pas vraiment le péter. Et alors donc, je répète. Oh merde! J'ai pas fait exprès ça. Bah alors, il faut encore péter le haut. Je vais repartir là-haut vite fait, par curiosité. Ah, tu crois que... Non. Il faut pas que je l'amène. La boule jusqu'à là-haut. Sachant que c'est possible. Hein. Tu vois, la boule, là, elle viendrait là. Clac, 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 clac. Non, peut-être pas en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Hein? Il faut écouter? Lis bien? Ah, je suis désolé, je l'avais pas vu le message. Ah, je m'excuse, pardon. Nous pouvons à présent rétablir l'élément des eaux. Il ne nous restera ensuite que deux autres éléments à raviver. Oh, mais quel idiot. J'avais pas vu. Wow. Oh, 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 oh. Mais pardon. J'avais pas compris ça comme ça, moi. Moi, je croyais que c'était cool, que tout le monde était content et tout ça. Je crois que j'ai pas le temps de me battre avec toi, merci, mais au revoir. Attends, il y a un truc là-bas. Ah! C'est bon, je l'ai eu. Je meurs quand même. On va maximiser tout. Tout notre temps. On se bat contre personne. Toi, tu sautes. Je te passe au-dessus. Mais pousse-toi! Ah oui, putain, j'ai réussi. Vas-y, vite, 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 vite. Oh, c'est faux! Monsieur, c'est faux! J'avais fait le pouvoir de sauter de sur ton attaque. Donc c'est complètement faux ce que tu dis. C'est vrai que j'avais complètement pas pensé à jouer comme ça en fait. Histoire d'aller plus... Les piques, oh non. Ah, il y avait l'attaque de l'araignée qui me revenait, j'aurais pu l'utiliser. Ouais, là.
Parce que je vois pas bien avec ma caméra aussi. Hop là. Quel plaisir de recommencer depuis le début à chaque fois. Est-ce que je peux faire une sauvegarde entre temps ou pas? Tu crois? Ça me fait un dégât? Ah non, peut-être pas. Je l'ai pas eu. Je peux pas sauvegarder. Yes! Let's go! Putain! Ah! Je me fais avoir parce que je fais le double saut en anticipant le fait qu'il faudra que je laisse s'enfoncer, toi, le bouton A ici. Alors. Ouais. Peut-être, j'aurais plutôt dû penser aller là-bas. Je te vois. Merde. Non. Non. J'ai loupé. Je vais l'utiliser pour monter. Non. Surtout pas l'eau parce que l'eau ça mouille. Ah! Ok. Oh, c'était génial. C'était trop bien. C'était physique, hein. Putain, il m'a donné du fil à retordre ou quoi, là? Oh, merci, Maryse, c'est très gentil. En fait, dès que tu vois un ennemi, tu réfléchis plus, tu mets le bouton qui permet de faire... d'arrêter le temps, et ça te laisse plus de temps pour réfléchir où aller. Une des meilleures parties, GG. Bah, tu m'étonnes, c'était trop bien. Oh, mais attends, c'est pas fini? Y'a un boss? Non, ça l'a fait fuir, juste. Ah non, y'a carrément un boss. Et peut-être que toute l'eau qu'on a fait couler maintenant, ça va faire disparaître les zones d'eau violette. Hein. Et on pourra nager dedans. Putain, lui il fait que tomber le pauvre, non. T'as un double saut, frérot. Oublie pas. Il va le croquer. Et on va être dans son ventre, partie 2 du jeu, dans le ventre du piaf. Elle détestait la lumière, notre lumière, et pourtant, la bonté d'Ori allait à nouveau sauver mon enfant. Oh, il m'a sauvé. Oh, c'est très lumineux, c'est très éclairé ici. Je conseille d'arrêter là du coup, surtout si tu continues pas le let's play. Ah, tu dis ça avec de la peine. Mais il est 23h, je comptais m'arrêter là en plus, oui. Ouri, j'ai bien cru que les Velsaires de Kuro t'avaient à jamais arraché à moi. Mais Gumo t'a sauvé, nous épargnant ainsi un destin tragique. Yes, Navi, on est là. Et ouais, il y a de l'eau partout bleue. L'arbre de Ginzo a repris vie et les eaux de Nivelle sont à nouveau limpides. Nous devons faire vite, il n'y a pas une minute à perdre. Occupons-nous à présent de l'élément des vents qui repose dans les profondeurs des ruines éplorées. Au cœur des bois brumeux se trouve une clé qui ouvrira leurs portes. Et moi j'ai surtout très envie de revenir en arrière dans tous les endroits qui me restaient des choses à découvrir. Hop, on sauvegarde là et du coup on est à un tout nouvel endroit. Mais pas si loin de là où on était tout à l'heure. Les arbres, oh, il manque 1% dans l'arbre. Arrête, c'est quoi cette histoire là? Il manque 1% pour de vrai? C'est quoi le truc bleu? C'est quoi ça là? C'est quoi ce truc blanc? C'est peut-être ça que j'ai oublié. Ah non, il y a un truc blanc là. Il y a une zone que j'ai oublié quelque part, son deck. Dans la précipitation peut-être. Oh non. Eh non, peut-être pas. J'ai oublié 1%. Monsieur. Je crois que je le vois pas.
peu dommage. Ah, ça t'est propre d'avoir au moins une zone entière à 100, à 100%. Bon. Partie sauvegardée. Partie sauvegardée. Mes stats actuellement, 2h35 de jeu. Donc j'ai fait 34% du jeu, hein, si je comprends bien. J'ai fait un tiers du jeu. Je suis mort 55 fois. Donc on peut avoir au maximum 12 vies, 15 réceptacles d'énergie et y a 33 grosses boules qui te donnent beaucoup d'XP qu'on n'a pas trouvé encore jusqu'à maintenant. Et ouais, la source et l'élément des eaux. Et là on possède nous la flamme pour attaquer, sauter sur, enfin marcher sur les murs. L'attaque chargée en bleu, le double saut, le fait de frapper qui est incroyable, et il nous manque encore à peine plus de la moitié des pouvoirs débloqués. Donc on aura vu une belle partie du jeu en fait. En un seul épisode, je pensais vraiment que c'était un jeu qui était plus long. En fait, ça peut. Ouais, non, on a vu une belle partie du jeu. Et bien, comme je le disais au tout début du live, je m'étire un peu, et bien j'ai quand même passé un bon moment. C'était effectivement très joli par moment, même si. Au bout d'un moment, j'ai lâché le côté esthétique du jeu dans le sens où j'étais tellement concentré que j'avais pas trop le temps de regarder. Mais vous, de votre côté, ça doit être sympa à suivre. Et je répète que jouer à ce jeu sur une télé en B-Light, ça doit apporter un petit plus en plus, à mon avis. Donc je regrette pas d'avoir découvert ça. Merci à tous ceux qui me le proposaient. Merci encore à Maryse d'avoir forcé pour me le proposer. Ça valait évidemment le coup. Donc je sais pas du tout si je testerai l'Opus 2 une autre fois. Je sais pas, je peux pas te dire comme ça. Merci Pyroman 19 pour les 4 mois de resub. Merci Sin77 pour les 7 mois de resub. Merci beaucoup. Allez, je vais couper la rediffusion là, j'arrive pas à parler. Au revoir YouTube, merci beaucoup d'avoir été là.